Donc, bonsoir à toutes et tous. Du coup, bienvenue sur cette visioconférence où on va accueillir Hugo Bernalicis et Elisa Martin qui va introduire Hugo pour cette visioconférence sur la loi sécurité globale. Donc, juste petit rappel avant tout de petits moyens techniques. Je vous invite à bien fermer vos micros parce que du coup, tout le monde vous entend afin qu'on puisse entendre les autres qui vont prendre la parole. Et si vous ne souhaitez pas apparaître sur le live Facebook, je vous invite à couper vos caméras de façon à ce qu'on ne vous voit pas. Voilà, donc du coup, je le répète, on est en live en même temps sur Facebook, donc bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent de Facebook. Et donc, Elisa, je te laisse commencer à prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci de prendre du temps pour pouvoir nous informer collectivement relativement aux enjeux de cette loi dite sécurité globale. Je remercie évidemment aussi Hugo d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Je remercie aussi bien sûr ceux qui techniquement nous permettent de nous retrouver par ce truchement un peu particulier, je l'avoue pour moi, qu'est Internet. Hugo est donc député depuis 2017 de la France insoumise. Il a bien sûr participé avec d'autres camarades à la rédaction du livret Sûreté qui a permis d'alimenter le programme de la France insoumise. Il en fait donc partie de ses artisans. J'attaque, le plus simple étant d'aller immédiatement vers les contenus afin que Hugo puisse avoir le temps de nous expliquer ce qu'il veut nous expliquer et que nous ayons nous-mêmes le temps de l'interroger sur ce qui nous paraîtra nécessaire. Hugo, il est beaucoup question aujourd'hui dans la presse de l'article 24 qui, dans un contexte évidemment où l'on sent des restrictions assez fortes sur les libertés publiques, ne peut que susciter une forte émotion. Qu'en est-il de cette affaire d'impossibilité dans laquelle nous serions, en tout cas dans la première rédaction de cet article, que de filmer les forces de l'ordre dans leur exercice naturellement. Mais sans doute faut-il aller au-delà. Il y a dans cette loi de nombreux aspects qui sont décrits, comme le recours aux caméras piétons, qui peuvent pourtant être une mesure protectrice, tu nous en diras plus si tu le souhaites, quels usages aussi pourraient être faits à partir de cette loi, donc des drones. En un mot, cette société technologique est-elle une société de sûreté ? Un autre aspect, évidemment, n'a pu qu'attirer mon attention. Je suis une élue locale, la première adjointe au maire de la ville de Grenoble, et bien évidemment, je tiens à mon autonomie républicaine d'agir en fonction du mandat qu'ont bien voulu nous donner les Grenoblois. Ainsi, dans les éléments particulièrement préoccupants de cette loi, on voit aux maires retirer leur capacité d'imposer leur doctrine à leur police municipale. Pour ce qui concerne la ville de Grenoble, nous avons choisi de demander à notre police municipale d'exercer une police de proximité, une police de contact, une police, en un mot, au milieu des habitants. Au nom de ce que le gouvernement appelle le continuum de sécurité, c'est-à-dire une logique de coopération des services de l'État, police, gendarmerie, avec la police municipale, et bien évidemment, sans doute, nous en diras-tu quelques mots, une émergence extrêmement forte de la sécurité privée. Ainsi, cette affaire de continuum de sécurité indique-t-il le fait de coopérer tous ensemble. Personne n'est opposé à la coopération, mais ça n'est pas de l'ordre de la coopération, c'est plutôt de l'ordre de quelque chose qui s'impose d'une façon complètement antidémocratique. Ainsi, les polices municipales, d'une façon expérimentale, nous dit-on, se verraient attribuer des fonctions de police judiciaire, certes sur des délits que l'on pourrait dire de basse intensité, l'usage du stup, l'occupation des halls d'immeubles, mais pour autant, cela ne correspond pas à des missions que nous voulons donner à nos polices municipales qui, d'ailleurs, je le dis au passage, ça n'est pas le plus grave, mais ne feront qu'un peu plus de paperasse qu'ils ne font aujourd'hui. Bref, on sent bien une logique d'une police nationale, d'un gouvernement au pouvoir qui se décharge vers les polices municipales et donc vers les communes afin que les polices municipales fassent tout simplement une partie du boulot de la police nationale. Sans doute cette affaire-là n'est-elle pas indifférente à une montée en puissance, en gros depuis Nicolas Sarkozy, d'une police qui est une police d'intervention, qui est une police d'action, d'intervention, et qui n'est bien évidemment pas du tout une police de proximité. Sans doute reviendras-tu là aussi sur cette affaire de police d'intervention. Ce texte, et c'est sans doute le plus grave, fait l'impasse sur une vision globale de la police, pourtant c'est ce que nous attendons, une police pensée dans ses trois dimensions, à la fois comme service public, ouvert à tous, 24/24, à la fois comme l'outil de la violence légitime, on reviendra sans doute sur cette notion, sur cet adjectif légitime, et comme un corps professionnel constitué. Donc, dans ce texte, point n'est question de cette vision globale qui pourtant serait tout à fait nécessaire aujourd'hui, parce que la police a aussi vécu des changements à bas bruit, particulièrement des changements autour de la doctrine de maintien de l'ordre. On disait que la philosophie française en cette matière était des interventions à distance. Aujourd'hui, on les invite à aller au contact, comme on dit, avec l'ensemble des dérapages que nous avons pu constater. C'est Macron qui doit avoir honte, parce que c'est lui qui donne ces consignes-là. Nous n'avons pas besoin d'un ministre de l'Intérieur qui soit le premier flic de France, mais on veut qu'il soit garant de l'ordre public républicain. En un mot, Hugo, ce que nous attendons de toi, c'est bien évidemment des éléments de critique contre cette loi dite de sécurité globale, mais aussi en creux de faire valoir auprès de nous une vision de la police, ou plutôt devrais-je dire une vision globale de la sûreté. Voilà, merci Hugo, et c'est à toi. Merci pour votre invitation pour discuter un peu longuement de cette loi sécurité globale. Et merci à plusieurs titres, parce que ça va me faire plaisir de parler plus de 5 minutes du sujet d'affilée. Pourquoi je dis ça? Parce que la discussion générale dans l'hémicycle, c'était 5 minutes. Finalement, le moment d'explication le plus long, c'est Jean-Luc qui s'en est chargé, qui était la discussion générale sur le texte. Et vous vous doutez bien qu'un texte qui fait plus de 30 articles, qui concerne la police municipale, la sécurité privée, plus une tripotée d'articles à la fois sur la surveillance, mais aussi sur l'interdiction de filmer, même en 15 minutes, c'est un défi qui est compliqué à relever. Donc, je vais vous présenter le texte et ses enjeux. Avant ça, on va prendre un petit peu de temps sur les éléments de contexte, effectivement, dans lequel on se situe. Je ne vais pas faire que en creux d'ailleurs de dessiner la police qu'on veut, mais ce sera aussi en plein et en bosse, parce qu'on a des choses à proposer, et notamment, et je vais commencer par là en fait, sur les enjeux pour la police nationale, la police municipale et même la sécurité privée. Quels sont les enjeux de ces secteurs-là, de ces métiers-là, quelle est la situation, l'état des lieux, et quels sont les sujets, les grands sujets qui sont sur la table. Le grand sujet qui est sur la table entre la police municipale, la police nationale et la sécurité privée, ce n'est pas la capacité à se coordonner. La coordination, elle se fait des fois, même quand elle a décrété en disant « coordonnez-vous », ce n'est pas pour autant que ça fonctionne. D'ailleurs, on n'entend plus beaucoup parler de la police de sécurité du quotidien qui avait été mise en place en grande pompe et qui finalement ne fait l'objet d'aucun suivi, tout le monde s'en fiche. C'était un peu leur truc, ouais, regardez, on a fait ça. À Lille, la police de sécurité du quotidien, ils l'ont mis dans un quartier, Lille-Moulin, particulièrement pour la reconquête républicaine, hein, c'est comme ça qu'ils disent, et notamment pour lutter contre le trafic de stupéfiants. Depuis que cette police de sécurité du quotidien est mise en place à Lille-Moulin, il n'y a jamais eu autant de deals, et notamment d'héroïnes, qui ont fait les faits divers, là, il y a moins de 6 mois, alors que ça fait quasiment 2 ans qu'elle a la police de sécurité du quotidien et la reconquête républicaine. Donc on verra aussi comment mettre juste des moyens comme ça, sans changer la doctrine et ce qu'on demande de faire aux policiers, franchement, plus-value proche du néant. Parce qu'effectivement, de quoi ne parle pas cette loi sécurité globale? Elle ne parle pas du quotidien des policiers, à aucun moment, du fait qu'ils soient... soumis à une politique du chiffre. Donc, il n'y a rien sur la question de la politique du chiffre. Il n'y a rien sur le fait qu'on mette des moyens sur les questions des enquêtes de police judiciaire. Il n'y a rien sur ce qu'on leur demande de faire, ne serait-ce qu'en tant que police de sécurité du quotidien. On pourrait fixer dans la loi des objectifs de prise de contact avec les citoyens, des cadres de réformer un peu les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance ou les comités, les CIPD, les intercommunaux, l'équivalent intercommunal. Nous, on propose dans le livret, par exemple, qu'une fois par an, au moins une fois par an, c'est un minimum, il y a une réunion de ce comité intercommunal ou le comité local, une fois par an, une réunion avec tous les habitants du quartier concerné ou de la ville concernée, qui puissent s'exprimer en lien avec les policiers, face à eux, aux policiers affectés sur le territoire, de quoi ils ont besoin, quelles sont leurs problématiques du quotidien. Ça paraît bête hein, de se dire ça, mais sauf que ce contact n'a jamais lieu. Il a lieu soit par le biais des élus, et encore quand ça se passe bien, soit il n'a pas lieu. La police fait en fonction de sa cartographie, de ce qu'elle ressent, de ce que font les BAC, de ce que voient les BAC, donc un type de criminalité, enfin de délinquance, et encore. Sans discussion finalement de comment on mène l'action de police. Et même l'action de police judiciaire, en théorie, l'action de police judiciaire, c'est le procureur de la République, c'est le parquet qui s'en charge. Et le parquet, dans ces réunions-là, quand vous avez un substitut du parquet qui vient vous voir dans ce genre de réunion, c'est hipipi pourra, quoi. On crie, on est content qu'il soit là. Si en plus il prend la parole et qu'il sait un peu avoir une vision globale d'ensemble de ce qu'il convient de faire et que ce n'est pas la police qui définit les orientations, c'est encore un autre miracle. Donc, il faut qu'on remette toutes ces choses-là à l'endroit et on aurait pu coordonner tout ça. Quelle prérogative à quel endroit, dans quel cadre et avec quelle méthode. Rien sur le sujet. Sur le maintien de l'ordre, évidemment, gros débat. Nous, on avait proposé qu'on puisse mettre dans la loi la doctrine de désescalade. On avait fait des amendements en disant, voilà, on met dans la loi. Alors, après, on renvoyait à un décret Conseil d'État sur les modalités concrètes de la doctrine de désescalade, parce que ça, objectivement, ça ne relève pas de la loi, mais on aurait mis le principe de la désescalade, tout comme dans la loi, il y a le principe de la proportionnalité dans l'usage des armes en toute matière pour les policiers. On n'a pas pu le mettre dans la loi. Cet amendement a été ce qu'on appelle retoqué, puisqu'il était irrecevable au titre de l'article 45 de la Constitution. L'article 45 de la Constitution, je vous fais un petit cours accéléré de droit constitutionnel parlementaire ou vie mes galères de parlementaire. Cet article 45, c'est celui qui consacre le droit d'amendement et qui dit qu'on a le droit d'amender un texte si ça a un lien direct ou indirect. Donc, de leur point de vue, dans un texte qui s'appelle sécurité globale, pourtant c'était super global, hein, la doctrine de maintien de l'ordre, ce n'est pas un sujet. Voilà. Et il y en a eu plein des amendements comme ça qu'on a fait, qui ont été retoqués, car irrecevables. Le récépissé pour le contrôle d'identité, si on parle des relations police-population. Pareil, on l'a proposé, et vous ne m'avez pas vu le défendre au micro, ni moi, ni aucun autre des 17 députés, puisqu'il a été retoqué irrecevable. Donc, pour eux, ce n'était même pas le débat. C'était même pas Donc, les grands sujets qui animent les gens, que ce soit du côté de la police, le trafic de stupes, etc., ou que ce soit du côté des citoyens ou ceux qui vivent mal l'intervention policière, je pense notamment au maintien de l'ordre et au contrôle aux faciès, rien du tout sur tout ce sujet-là. En fait, pour le dire plus directement, je ne sais pas si vous avez vu passer les 7 péchés capitaux de Darmanin. Il en a énuméré que 6 d'ailleurs, parce qu'il nous a fait une danse du ventre à l'Assemblée, là, en audition, en disant oui, non, mais la police, là, ça déconne. Là, il y en a qui déconnent dans la police. Hein. Et donc, il a énuméré les 6 grands thèmes pour lesquels la police déconne. Et donc, dans ces grands thèmes, il y a les relations police-population. Il parle évidemment des contrôles d'identité. Donc, ça, c'est pas dans la loi. Il parle de la formation des policiers. Formation initiale, en disant, attendez, elle est à 9 mois, on l'a réduit pour recruter plus vite après le Bataclan. On aurait dû une de mes interventions, parce que ça fait 4 ans que j'interviens tous les ans pour dire la même chose. Donc, finalement, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et donc, il dit, voilà, on devrait rouvrir des écoles de police. C'est un miracle! Est-ce que c'est dans la loi, la question de la formation, du contenu de formation, des objectifs de formation, de la durée de formation et des moyens? Non, ce n'est pas dans cette loi. Il parle des problèmes de l'encadrement, qui manque d'encadrement intermédiaire. Alors, en fait, ce n'est pas vrai, il ment. Il y a énormément de cadres intermédiaires dans la police. Il y a même peut-être, je ne vais pas dire trop d'encadrants intermédiaires, mais il y a tellement de grades de hiérarchie, brigadier-chef, et après vous avez capitaine, commandant, bref, donc c'est lieutenant, capitaine, commandant, c'est commissaire, commissaire divisionnaire, contrôleur général, inspecteur, bref. Donc ça va, il manque pas de strates, et à l'intérieur de chaque strate, il ne manque pas d'effectifs. Notamment l'encadrement de proximité, ce qu'ils appellent l'encadrement intermédiaire, brigadier-chef, il y en a plein, et il y en a plein depuis que Nicolas Sarkozy est passé par le ministère de l'Intérieur. Puisque le corollaire de la baisse des effectifs, vous vous souvenez, il y a Sarkozy, ministre de l'Intérieur, et il y a Sarkozy, président de la République. Et en fait, ça n'a pas trop râlé dans la police sur la baisse des effectifs, pour une raison, c'est qu'il a filé des grades, donc des promotions pour passer brigadier au brigadier-chef, à l'appel. Ils ont fait une réforme de ce qu'on appelle corps et carrière, il y en a une récemment, une nouvelle, hein. Et donc celle sous Sarkozy, voilà, tout le monde était chef, quoi. Voilà, je caricature, hein, mais c'est ça l'idée. Sauf qu'il a filé ce qu'on appellerait des galons à des gens, sans qu'il y ait la formation qui va avec et le rôle hiérarchique de hiérarchie intermédiaire dans l'équipe. C'est-à-dire que vous aviez beau être brigadier-chef, dans la voiture, vous avez 3 brigadiers-chefs, quoi. Donc, bon, et qui est le chef du… Ça n'a plus de sens, quoi. Donc, c'est pas tant… Mais bon, Darmanin a pointé ce problème de management. OK. Est-ce qu'il y a quelque chose qui répond dans cette loi? Non, non plus. Bon. Il a parlé des interventions disproportionnées, de la capacité de discernement, que ce soit en manifestation ou là, l'interprétation de Michel Zécler. Qu'est-ce qu'il propose dans cette loi qui remédie? Rien. Enfin, je pourrais égrener tous les points, mais rien. Cette loi est complètement à côté des enjeux du moment et des enjeux tout court. Et on pourrait décliner ça aussi sur la police municipale. En fait, leur seule vision qu'ils ont sur la police municipale, c'est de dire, par principe, c'est bien parce que c'est fait par les mairies, et il faut leur donner plus de pouvoir parce qu'ils râlent tout le temps de ne pas avoir assez de pouvoir. En fait, ce n'est pas ça, la raison pour laquelle ils râlent principalement. C'est que quand ils appellent la police nationale parce que ce n'est plus dans la prérogative, il n'y a pas de police nationale qui vient. C'est ça qui les rend fous. Alors du coup, au bout d'un moment, ils disent, bah, je le ferai peut-être mieux moi-même directement. Bon. On y reviendra plus tard, mais… c'est ça le point central. Et donc, il propose de le résoudre d'une manière très claire, c'est de filer des nouvelles prérogatives aux policiers municipaux pour le faire à la place des policiers nationaux. Finalement, on y arrive, changeant ainsi la nature de la police municipale, parce que comme elle n'était pas dans l'intervention répressive et que c'était bon de manière incidente, elle ne cherche pas les délits, la police municipale. Mais s'il y en a un devant elle, effectivement, elle peut agir, interpeller, article 73 du Code de procédure pénale, comme tout citoyen, procède à l'interpellation et le conduise à l'officier de police judiciaire le plus proche. C'est-à-dire, en gros, à la police nationale, pour le dire concrètement. Donc, sauf que là, elle va pouvoir elle-même rechercher des délits et infractions. Et donc, on n'est plus dans la police du voisinage, comme l'a dit le ministre. La police de voisinage, c'était rigolo comme formule. Mais finalement, pourquoi pas, je veux dire. Mais du coup, ça change complètement sa nature. D'ailleurs, on lui donne une arme à feu, je veux dire, parce que pareil, on dit les polices municipales ne sont pas armées. Enfin, c'est pas parce que vous n'avez pas d'arme à feu que vous n'êtes pas armé, parce que franchement, l'attirail dit intermédiaire, ça va, il y a le choix quand même, hein. Donc, on va rester un peu calme sur le sujet. Donc, cette loi, elle ne répond à rien de tout ça. Quand nous, on proposait de réformer les CLSPD, alors même qu'il y a une mission d'information à l'Assemblée qui est en train de se terminer sur précisément les comités locaux de sécurité et de prévention de la délinquance. Donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce machin? Finalement, même sur la sécurité privée, il y a assez peu de missions qui sont transférées à la sécurité privée, mais ils passent des tours de vis pour encadrer le secteur, en dépit, pareil, des enjeux du secteur. Je vous donne un exemple, on se dit, le problème fondamental dans le secteur de la sécurité privée, ça va être le contrôle des entreprises qui font de la sécurité privée et des agents qui s'y trouvent. Et deuxièmement, bah, leur formation, parce que ce n'est pas un métier neutre quand on fait de la sécurité privée, quand vous êtes amené à faire des palpations, des machins, bah, vous ne faites pas n'importe quoi. Donc, un minimum de formation, ce n'est pas de trop. Et ces deux aspects-là, le contrôle, c'est-à-dire le CNAPS, le Conseil national des activités privées de sécurité, et la formation font l'objet de 2 ordonnances. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de contenu. On donne par ordonnance la capacité au gouvernement de plus tard, quand il aura le temps, nous proposer comment réformer ce secteur-là. Bon, on s'est dit, c'est lunaire. Sur le recrutement des agents, ils mettent des nouvelles conditions, notamment une condition d'être là depuis plus de 5 ans sur le territoire français. Alors, on se dit, mais pourquoi ? Alors, la raison, c'est que, oui, mais attendez, par rapport à un Français, quand lui, il va candidater pour être agent de sécurité privée, et bien, comme il est français, il est là depuis qu'il est français, hein, évidemment, en France, et donc on sait comment il s'est comporté, donc on va voir son casier judiciaire s'il a quelque chose à son casier. Alors qu'un étranger qui vient d'arriver, on n'a pas ses antécédents, son casier, son machin vu qu'il vient d'arriver. Donc on va d'abord attendre avant de le recruter, on ne sait jamais. Et vous voyez comment de ce raisonnement-là, hein, de café du commerce, hein, de bistrot, quoi. Les mecs en font un amendement pour expliquer que vous ne pourrez pas donner enfin, accepter quelqu'un pour faire de la sécurité privée s'il a un titre de moins de 5 ans. Ce qui va se passer dans le monde réel, c'est que alors déjà qu'il y a beaucoup de travail au noir et de personnes en situation irrégulière, vous aurez encore plus de gens qui sont là depuis moins de 5 ans qui bosseront au black. C'est ça la vérité. Enfin bref. Alors du coup, il y a eu un débat. Est-ce qu'il fallait mettre 3 ans, 5 ans, 4 ans enfin, on n'a qu'à mettre 10 ans au cas où, parce que peut-être qu'en 10 ans, si en 10 ans il s'est bien comporté, peut-être qu'il se comportera bien toute sa vie. On ne sait pas. Il n'y a pas d'étude. Évidemment, comme c'est une proposition de loi, il n'y a pas d'étude d'impact, il n'y a pas d'avis du Conseil d'État, on s'en fiche, on fait ça en procédure accélérée, on y va. Bon, donc du coup, cette loi ne répond à absolument aucun des enjeux du moment, mais c'est pas grave, on l'a quand même examinée parce qu'il y avait ce fichu article 24. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a ? Je vous prends les titres, je vous les brosse dans l'ordre. Le titre 1 du texte, c'est sur les polices municipales. Il n'y a pas beaucoup d'articles. Il y a 6 articles. Enfin, attendez, parce qu'il y a les premiers bis, article 2, 3, 4, 5, 6, 6 bis, etc. Bon. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de ce sujet ? C'est surtout l'article 1 sur l'expérimentation. Pour donner aux policiers des capacités d'agir sur la question des infractions au code de la route, au code de construction de l'habitation, pour l'ivresse publique manifeste aussi. Je ne sais pas pourquoi, c'était leur grand truc. Il faut que les policiers municipaux puissent arrêter les mecs bourrés et les amener dans des locaux de garde à vue. Voilà, pour eux, c'était le sujet majeur, quoi, le problème numéro 1. Bon, je ne sais pas si c'était la circonscription de Jean Lassalle, mais on ne sait pas. Donc, le problème dans ce truc, c'est qu'il y a des choses, ça relève de la contravention. C'est du contraventionnel. Bon, à la limite que des policiers municipaux le fassent. Bon. Mais il y a des choses, c'est du délictuel pur et dur. C'est-à-dire que vous ne passez pas par une contravention. Donc, le policier municipal, au lieu de passer par un policier national pour transmettre les informations, qui lui ensuite les transmet sans délai au procureur de la République, après, le proc, il a plusieurs choix. Soit il dit les éléments de preuve sont suffisants, enfin, j'ai tout ce qu'il faut pour matérialiser les faits, donc soit on passe en tribunal de police, enfin, une comparution au tribunal de police, ou en correctionnel, ou en comparution immédiate, en fonction du type de délit, évidemment. Ou alors il fait un autre truc, le procureur, il dit « ouais, c'est bien, il y a un début de quelque chose, mais j'ai besoin de savoir ça, j'ai besoin que vous enquêtiez là-dessus, j'ai besoin… » Voilà. Donc, il y aura des actes d'enquête à faire. Et comme c'est le policier municipal qui l'a écrit en direct, il ne pourra pas se retourner vers le policier municipal parce que le policier municipal, il n'est pas officier de police judiciaire. Il est adjoint de police judiciaire, enfin agent de police judiciaire adjoint. Et donc, qu'est-ce qu'il va devoir faire ce policier municipal ? Se retourner vers un policier national qui va dire « c'est quoi votre histoire ?» Donc en fait, on aura perdu du temps par rapport au circuit initial qui fait que quand le policier municipal le file au policier national, certes, il est tenu informé de l'enquête, alors pas forcément en temps réel, tout le temps, etc. Mais bon, en gros, il est tenu informé. Et après, le policier national, c'est devenu son enquête, c'est tout. Et il est en lien avec le procureur, et ils échangent, et les choses suivent leur cours. Mais comme il manque d'officiers de police judiciaire dans plein d'endroits dans le pays, en police nationale, on se dit, bon, écoutez, pour les 80-90% du temps, on va filer ça aux policiers municipaux, et puis si à un moment donné, il y aura les 10% restants, il y aura des actes d'enquête, on se débrouillera, on verra. Voilà. C'est une règle dans l'administration qui est bien connue, hein, du 80-20. Si vous avez 80% de chances que vous pensez que ça va fonctionner, vous le faites quand même, vous gérez bien les 20% restants. Sauf que 20% d'échecs ou de trucs ratés, je sais pas moi, sur de la paperasse administrative, c'est pas pareil que 20% de trucs ratés sur de la police judiciaire, quoi, qui concerne des gens directement. C'est comme moi quand je faisais la comptabilité de l'État au ministère de l'Intérieur avant. Si vous foirez 20% des factures à payer du budget, voilà, personne n'est. Donc voilà. Et pourtant, c'était la règle qui s'appliquait. C'est vous dire où on en est, où on en était déjà à l'époque. Donc, ils font ça, et ils font ça, évidemment. Ils vous disent ah non, 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 ah non, non, c'est pas pour. C'est pas parce que la police nationale se désengage. Non, non, non. Ah bon, oh non, non, jamais de la vie, c'est pas possible. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est parce que les policiers municipaux, ce sont des gens responsables, qui ont envie, qui peuvent, en complémentarité avec la police nationale. Et puis donc, quand vous égrenez les délits dans le débat, vous vous rendez compte que les rapporteurs au banc, le ministre et même les gens d'En Marche, disent « non, mais ce serait bien quand même que le policier municipal puisse faire ça, parce que quand ils appellent la police nationale, il n'y a personne et tout, donc ce serait bien qu'ils puissent le faire à leur place ». Donc c'est bien ça le sujet, c'est qu'ils le fassent à leur place, c'est tout, qu'on arrête de tourner autour du pot. C'est ça la réalité. Et puis petit truc en passant quand même rigolo, c'est qu'ils le font certes à titre expérimental, mais pas à titre expérimental dans tout le pays. Ils le font à titre expérimental pour des communes choisies par décret, enfin arrêté, pardon, par arrêté commun, conjoint, ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice. Du coup, il y a une scène un peu rigolote parce que je leur dis qu'ils vont faire du clientélisme. Ah oui, évidemment. Ah, vous voulez les nouveaux pouvoirs de police municipale ? C'est bientôt les présidentielles. Voilà. Bon, je passe, je vais pas plus loin parce que après on m'a dit que je faisais des procès d'intention et tout. Et je leur ai rappelé que c'est pas comme si pour les dernières élections municipales, ils avaient prévu de supprimer les cabinets de juges d'instruction uniquement dans les villes où ils prévoyaient de ne pas faire des bons résultats aux élections municipales. Bon, si j'avais pas su ça avant, j'aurais pu les croire, mais bon, à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des jambons. Et donc, c'est ça les problématiques de la police municipale dans cette loi. Alors, bien sûr, il y a la création d'une police municipale à Paris, qui est en plus un non-sens dans le non-sens, parce que les agents de Paris, de la ville de Paris, qui font de la sûreté et de la sécurité, il y en a en fait. Ils n'ont pas officiellement le titre de police municipale, mais ça y ressemble. Et en tout cas, quand ils voient une infraction, ils peuvent appeler la police nationale. Enfin, ça se fait comme ça. Et puis surtout, en fait, il y a un caractère particulier à Paris. Il y a les institutions. Bon. Et du coup, il se trouve que c'est la ville de France où il y a le plus de policiers par habitant. Donc, si dans la ville de France où il y a le plus de policiers par habitant, la police nationale n'arrive pas à gérer ce qui relève de sa compétence aujourd'hui, il y a un truc que je pige pas, quoi. Parce que ce n'est pas quelques policiers municipaux qui veulent en plus. Ils veulent avoir 5000 agents de police municipale à Paris. Et il y en a déjà 3400 qui sont les... Alors, c'est un grade un peu particulier, mais on va dire pour schématiser de la SVP, en gros, d'agents de surveillance sur la République. Et donc, ils veulent en recruter 1600 de plus policiers municipaux. C'est juste énorme, 1600. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, quoi. C'est... donc, bon, bah, on se dit que... là encore, il va y avoir transfert de compétences. Des missions qui étaient faites par la police nationale vont être faites par la police municipale. Et à juste titre, plein de collègues ont pointé du doigt. Il est où le transfert de charge? Non, parce que les communes, elles vont payer ça comment? C'est du taf en plus, du coup. C'était pas prévu au contrat, quoi. Or, dans la Constitution, il est prévu que tout transfert de charge soit compensé à l'euro près. Vous vous souvenez, il y a des machins qui ont été mis comme ça pour se donner quelques garanties. Donc, on verra ce que dira le Conseil constitutionnel quand on fera la censure. Quoique, on aura peut-être un petit souci, puisque je ne suis pas sûr que mes collègues socialistes et communistes soient complètement opposés à ce que je suis en train de raconter. Et comme il faut être 60 pour faire le recours au Conseil constitutionnel, je crois qu'on va en rester à quelques articles plus épineux. Mais je le dis en passant, parce que c'est une réalité aussi politique sur ce débat sur les polices municipales. C'est ce qui nous avait amené à dire, c'est-à-dire qu'on avait plutôt pas trop mal anticipé. On avait dit dans le livret sécurité qu'on prendrait les effectifs de police municipale et qu'on les incorporait à la police nationale et qu'on laisserait aux communes ASVP et gardes champêtres. Il se trouve qu'en 1980, en fait, vous avez 5000 policiers municipaux en France. Là, aujourd'hui, on s'approche des 30 000. C'est pour vous donner le rapport, hein. Et pour autant, la police nationale, les effectifs aussi ont augmenté de police nationale. Il y a 130 000 agents de police nationale, hein, et 120 000 de gendarmerie nationale, ce qui fait 250 000 policiers et gendarmes. Et donc, on voit bien comment finalement ces agents, et c'est ce que j'ai martelé pendant le débat, ils sont restés un peu muets, parce qu'ils n'avaient pas d'alternative, et nous, on en a une pour le coup, c'était on incorpore les effectifs de police municipale, alors on fait un examen professionnel, une remise à niveau, etc., et ce sont ces effectifs-là qui seront la base de la nouvelle police de proximité, police nationale républicaine de proximité, avec des effectifs attachés à un territoire qui correspond à des circonscriptions administratives où il y a des élus. Donc, ça peut être un quartier ou une ville ou une commune en fonction de la taille du périmètre, mais en tout cas qui est, pour une aire de population et une aire géographique, des policiers attitrés, pour que cela soit sous la double autorité du maire et du préfet, avec une mission uniquement de proximité et qui rendent des comptes devant le fameux comité local de sécurité et de prévention de la délinquance au moins une fois par an en plénière, et on pourrait imaginer plein d'autres combinaisons. Ce qui permettrait d'avoir des effectifs correctement répartis sur le territoire, puisque aujourd'hui, Et je porte, même à ce stade de l'argumentation, je n'ai même pas envie de porter de jugement. Mais il y a des communes, il y a 0 policiers municipaux. Okay ? Et il y a des communes où vous avez 50, 100, 150, 200 policiers municipaux. Je ne critique pas les choix des uns et des autres, mais en tant que citoyen lambda, je me dis, je ne vois pas pourquoi dans une commune, j'en ai 200 et dans l'autre, j'en ai 0. Est-ce que j'ai moins besoin de sécurité ou de sûreté en fonction... Bon. Et donc, répartir correctement les effectifs sur le territoire, c'est aussi résoudre une bonne partie de l'équation. Donc, on a massé tous ces trucs-là, mais évidemment, ce n'est pas l'objet du débat, vous vous en doutez bien. Sécurité privée, je vous en ai déjà dit pas mal. Alors, le seul vrai transfert de mission qu'on a, il y a un transfert de mission aux agents du CNAPS, donc le Conseil national des activités privées de sécurité. Les agents qui sont chargés de contrôler les boîtes de sécurité privée, on a renforcé leur pouvoir. En gros, c'est quasiment des officiers de police judiciaire dans leurs prérogatives, puisqu'ils peuvent procéder à l'interpellation. Alors du coup, on parle, s'il y a des manquements, ils peuvent procéder à l'interpellation de l'agent de sécurité privée. Ok, enfin, de l'agent de sécurité privée. Parce qu'ils vont contrôler les boîtes de sécurité privée. Et donc, ça, on a renforcé leur pouvoir. Encore une fois, normalement, c'est le rôle de la police nationale. Hein. L'inspecteur, il va faire son inspection, il voit des délits, il appelle la police nationale, mais là, ils se sont dit « Oh non, trop compliqué ». Donc ça, c'est le truc un peu lunaire. Et l'extension des missions, c'est qu'il y a déjà un article dans le Code de la sécurité intérieure. J'ai vérifié, il date d'il y a super longtemps, des années 80. Je n'ai pas trop compris à l'époque pourquoi ils avaient fait ça. Mais en gros, sur autorisation du préfet, un agent de sécurité privée peut faire de la voie publique autour du bâtiment ou des biens qu'il a à protéger pour prévenir les vols, tentatives de vol, dégradations. Parce que normalement, l'agent de sécurité privée, il peut être qu'à l'intérieur. Vous imaginez une entrée avec des clôtures, il peut être qu'à l'intérieur des clôtures en théorie. Dès qu'il passe la clôture, il n'a plus compétence pour agir. Et là, c'est pour lui donner compétence sur le pourtour. Ça existait déjà. Et il rajoute dans l'article 14, dans la liste des trucs pour lesquels il peut être autour du bâtiment, les actes de terrorisme. Et donc, c'est le petit truc, vous savez, ce petit acte de terrorisme, au cas où, là, dans le doute, c'est comme pour les drones, on y reviendra tout à l'heure, qui fait que finalement, si vous vous débrouillez bien, vous pouvez poster vos agents de sécurité privée dans la rue, tout autour de votre bâtiment, en mode, genre, pas content, bien visible, pour faire de la sécurisation, au cas où il y ait des actes de terrorisme. Et comme vous le savez, le terrorisme est partout, tout le temps, à tout moment, et il se cache derrière n'importe qui. Voilà, vous avez là l'argumentaire. Demain, si vous voulez, vous ouvrez votre entreprise, vous avez besoin de conseil en sécurité, vous me faites signe. Ah bah non, il y a déjà Jean-Michel Fauvergue qui s'en occupe, puisqu'il a ouvert son entreprise sur le sujet. C'était un petit tacle en passant. Je continue donc ça à la sécurité privée. Après, vous avez des ordonnances où on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et moi, en fait, il se trouve que c'est marrant parce que j'ai été sollicité par la Fédération française de sécurité privée. C'est le syndicat patronal, en fait, on va dire, du secteur de la sécurité privée. Et ils m'ont dit, mais monsieur le député, vous savez ce qu'il va y avoir dans les ordonnances ? Je regarde, j'ai dit, non, je pensais que vous sauriez me dire, puisque c'est vous, la Fédération de sécurité privée. Je dis, mais le gouvernement, ils n'ont pas dealé un truc avec vous, ils n'ont pas... Ils m'ont dit, non, absolument pas. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Elle dit, ouais, on découvre aussi, comme vous, là, qu'il y a ces ordonnances. On ne sait pas ce qu'ils veulent mettre dedans. Pareil sur l'encadrement, donc la réforme du CNAPS en lui-même, sa composition, ses membres, etc. Non, personne ne sait. Nous, on avait fait un amendement pour proposer qu'il y ait le défenseur des droits dedans. Vous savez, parce que la déontologie de la sécurité, le contrôle externe de la déontologie de la sécurité, le défenseur des droits le fait pour la police nationale, pour la police municipale et pour les agents de sécurité privée. Et comme personne n'est au courant, ils ont très peu de plaintes. Je rassure les uns et les autres. Mais on s'était dit que c'était bien le défenseur des droits qui soit dedans pour le rendre visible. Il dit, non, c'est une institution indépendante, vous ne pouvez pas l'obliger à être dans un conseil d'administration. Ok, donc on en était là, hein, sur la sécurité privée. J'ai dit, oh là là. Et par contre, il y a un truc intéressant en proposition qu'on remettra en place et que m'a soufflé cette fédération, avec qui j'ai pas de lien particulier, hein, je ne sais pas si je vous rassure ou pas, mais du coup c'était marrant de converger sur des sujets comme celui justement des moyens du Conseil national des activités privées de sécurité, puisque eux, en bons patrons qui sont dans les règles, dans les clous, ils disent, écoutez, moi la boîte d'à côté de chez moi qui respecte pas les règles, qui paye des gens au black et tout, c'est de la concurrence déloyale. Donc moi, j'ai envie qu'il y ait un organisme régulateur géré par le public, ou par un public, quoi, qui fasse son job de vérifier que tout le monde respecte les règles. Moi, ça me va jusque-là, ça m'allait. Et il me dit, monsieur le député, est-ce que vous saviez qu'il y avait une taxe avant, que toutes les sociétés de sécurité privée payaient, et qui était affectée au CNAPS. C'est-à-dire que c'est les boîtes privées qui finançaient eux-mêmes leur organisme de régulation. Ce qui est très sain et ce qui est très bien, à mon sens. Eh bien, déjà, ils me disent, bah, à l'époque où il y avait la taxe, elle rapportait, je ne sais plus, je vous donne un ordre d'idée, hein, mais je crois qu'elle rapportait 30 millions d'euros, et il y en avait 15 millions qui étaient affectés au CNAPS, et le reste allait au budget général de l'État. Donc déjà, les mecs disaient, quand même, vous nous taxez pour qu'on s'autorégule, et puis vous prenez une partie du pognon pour le mettre dans votre budget général de l'État, plutôt que de le donner au CNAPS. Ça, c'est première anomalie. Et puis, deuxième anomalie, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait des réformes en 2018 pour supprimer des petites taxes qui étaient éparpillées un peu partout. Et évidemment, ils ont supprimé celle-là. Et donc, aujourd'hui, le CNAPS est financé directement par le budget de l'État et puis par une taxe fléchée. Sauf que, est-ce qu'ils ont doublé le budget du CNAPS en l'occurrence? Non, absolument pas. Ils l'ont laissé au niveau trop bas auquel il était. Et donc, ces patrons m'ont dit, le moment venu, monsieur le député, ce serait bien qu'on remette en place cette taxe. Et donc, des patrons qui vous proposent de mettre en place une taxe sur leur propre société, on n'en croise pas tous les jours. Donc ça, j'ai dit, écoutez, je la note bien, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd. Et donc, on la mettra et on l'affectera au CNAPS, où il faudra évidemment au moins doubler les moyens, parce qu'il y a eu un rapport de la Cour des comptes sur le sujet en 2018 qui était hyper incendiaire, avec des cartes professionnelles attribuées à des gens qui n'existent pas, enfin, un business autour de tout ça. Bon, ça n'a pas trop cessé. Et puis là, avec les JO de 2024 qui arrivent, ça va être la fête du... Hein, bon. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'il y a un petit article qui s'est ajouté, qui est le... c'est le quoi 19... combien c'est 19 quinquis, c'est ça? Non, c'est pas celui-là. Ça, c'est sur l'outre-mer. Ça, c'est pas celui-là. Il y a un article. Il y a où le code de la sécurité sociale? Attendez, je vais le chercher. Qui dit en fait qui retire le plafond applicable aux fonctionnaires qui partent en retraite, fonctionnaires de police, gendarmerie, enfin police parce que, pardon, pas gendarmerie, ils ont la retraite militaire, ça n'a rien à voir, les fonctionnaires de police, quand ils partent à la retraite et qu'ils font une activité de sécurité privée pour qu'ils puissent cumuler avec leur pension. Dans le code de la sécurité sociale, il y a des dispositions qui prévoient que vous ne pouvez pas avoir plus de 2 fois le salaire médian, je crois, en plus de votre pension. En fait, si, vous pouvez gagner plus, mais à ce moment-là, on ne vous verse plus votre pension. Ça vient en déduction de votre pension tous les mois. Bon. Ce qui est normal, hein, qui est de dire à un moment donné, on va bien te filer ta pension, mais si tu continues de bosser et que tu t'en mets plein les poches, voilà. Et ça s'applique pour tous les fonctionnaires. Hein, c'est pas, Et donc, eux, ils ont fait passer un truc pour plus qu'il y ait ce plafond. Cool, quoi. Mais que pour les retraités de la police nationale. Alors moi, des fois, je suis un peu taquin, je vais creuser un petit peu. Et c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y a un an, Jean-Michel Fauvergue, donc futur retraité de la police nationale, a ouvert une société, non pas de conseil, parce que c'est interdit depuis la loi financement de la vie publique, là, pour les parlementaires, mais une société de formation pour le secteur de la sécurité privée. Donc, il donne des conférences de formation et pas de conseil. Attention, c'est pas pareil, une nuance, sinon ce serait interdit par la loi. Et donc, il pourra prendre son pognon sans être emmerdé par le plafond. Alors moi, j'y ai vu un amendement pour lui, pour ses propres besoins, parce que franchement, il rentre pile dans les cases, ce qui est quand même un peu cocasse. Et il nous a expliqué que non, pas du tout. C'est parce qu'il y a les JO de 2024 qui arrivent, qu'on va avoir besoin de plein d'agents de sécurité privée, et qu'il n'y en a pas assez dans le pays, et que ce serait bien si on pouvait profiter des policiers à la retraite, des policiers à la retraite en gros, pour faire agents de sécurité privée pour les JO de 2024. Ça leur arrondira leur fin de mois, etc. Sauf que de vous à moi, l'agent de sécurité privée qui arrondit ses fins de mois, ça ne dépasse pas le plafond. Ça va, ils vont déjà pouvoir être payés en plus de leur pension, il n'y a pas de souci, on ne va pas leur prendre leurs sous, parce que de toute façon, ils ne gagneront pas suffisamment pour qu'ils atteignent le plafond. Donc, c'est vraiment pour ceux qui vont gagner beaucoup en faisant de la sécurité privée pendant les JO de 2024. Surtout que, il y a 4 ans devant nous, il y a un taux de chômage qui est quand même assez élevé dans ce pays, ça ne va pas aller s'améliorer avec le Covid. je doute que ce soit compliqué de trouver et de former et de trouver des agents de sécurité privée qui voudront bosser là-dedans pour les JO 2024 pour bosser, quoi. Voilà, donc ça, c'était sur la sécurité privée pour être un peu plus exhaustif. Et ensuite, on arrive à tout ce qu'a ajouté Gérald Darmanin. Parce que jusqu'avant, police municipale, police et sécurité privée, c'est effectivement un travail, alors certes sous l'œil vigilant du ministère de l'Intérieur, mais c'était un travail de Jean-Michel Fauvergue et d'Alice Toureau, issu de leur rapport sur le continuum de sécurité, puisqu'ils avaient fait une mission d'information avec un rapport. Donc, on va dire qu'il y a un travail un minimum sérieux, on fait des auditions, on fait un rapport et des propositions, ils font une proposition de loi, bon, pour une fois le rapport cale pas une armoire. Et en fait, dedans, il n'y avait pas du tout l'article 24, il n'y avait pas l'article 20 non plus, ni le 20 bis, ni le 20 ter, ni le 21, ni le 22, enfin tout ce qu'il y a ensuite, qu'ont été rajoutés par Darmanin et qui ont donné leur avis favorable pour le mettre à l'agenda parlementaire parce que ça les arrangeait dans la séquence suite à l'assassinat de Samuel Paty. C'est vraiment un texte qui vient en réaction à ça. Donc, alors même qu'il n'a rien à voir, grosso modo, avec le terrorisme, toutes les 4 matins, on a parlé de terrorisme dans l'hémicycle, tout le temps. Voilà, c'était très, très, très récurrent. On parle de police municipale, on parle de terrorisme. On parle d'agents de sécurité privée, on parle de terrorisme. On parle de drones, on parle de terrorisme. Vous parlez, je sais pas, dites un thème, on parlera de terrorisme. Voilà, c'est quand même dans cette ambiance-là que sont arrivés ces articles. C'est pour ça qu'on les vannait, façon de parler, en disant, en fait, finalement, c'est pas une proposition, c'est un projet de loi déguisé, celui du gouvernement. Et donc, on a vu l'apothéose de tout ça. C'était tellement le projet du gouvernement que quand l'article 24 a commencé à être un peu problématique dans l'opinion publique, surtout chez les journalistes, qu'a fait le gouvernement? Il a voulu reprendre la main et créer une commission pour écrire l'article 24. Et là, ils ont oublié que ce n'était pas leur texte. Enfin, en théorie, ce n'est pas leur texte. En théorie, puisque c'est censé être une proposition de loi. D'où le délire d'échange de courrier avec Richard Ferrand qui dit « Oui, la Constitution, séparation des pouvoirs, c'est un scandale. » Il n'a pas mis « c'est un scandale », là, c'est moi qui traduis. Mais bon, je ne les avais pas trouvés très, très réactifs sur la séparation des pouvoirs pendant l'affaire Benalla. Mais bon. Après, je vais peut-être pas la même chose. Il y a peut-être un truc qui m'a échappé entre les deux. Donc, ces articles 20, 21, 22, 22 bis, machin, là, c'est... Alors, ils ne sont pas exactement dans le bon ordre, mais grosso modo, l'idée, c'est de plus pouvoir vous filmer. Donc, on va rajouter des capacités à vous filmer. Donc, ça, pour davantage pouvoir vous filmer, il y a deux choses, il y a une chose et demie, on va dire plus de caméras piétons, c'est les caméras ventrales qu'ont les policiers, donc étendre son usage aussi, et puis les drones. Alors les drones, on vous rassure, on vous dit, non mais les drones, on ne pourra pas les utiliser partout, il y a des limites dans la loi. Alors les limites sont géniales, il faut que je retrouve l'article exact pour lire, caméra aéroportée. L'autorité responsable tient un registre de traitement, blablabla. Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents, d'ailleurs, au passage. Donc, vous souriez bien à chaque fois, toujours. Toujours le sourire, c'est très important. Alors, hormis les cas où ils sont utilisés dans le cadre d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements sont effacés au bout de 30 jours. Pas très rassurant parce que Benalla, ça faisait plus de 30 jours quand il a récupéré le CD. Et je suis désolé de parler de Benalla comme ça, mais je trouve que c'est un bon exemple. Alors, donc c'est ça. Dans l'exercice de leur mission de prévention des atteintes à la sûreté de l'État, la défense ou la sécurité publique et de prévention, de recherche, de constatation ou de poursuite des infractions pénales, c'est-à-dire tout ce qui est dans le code pénal, les services de l'État concourant à la sécurité intérieure et à la défense nationale peuvent procéder au moyen de caméras installées sur des aéronefs, à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images, parce qu'ils pourront aussi mettre ça en direct sur le centre de commandement, aux fins de, et donc là vous avez une petite liste qui est censée vous rassurer en vous disant non mais on ne fera pas n'importe quoi, on ne sait pas tout le temps. Donc c'est soit la prévention des atteintes à la sécurité des personnes, des biens, dans des lieux particulièrement exposés à des risques d'agression, de vol, de trafic d'armes, d'êtres humains, de stupéfiants, ça fait déjà pas mal d'endroits. La sécurité des rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public, lorsque les circonstances font craindre des troubles graves à l'ordre public ou ainsi que l'appui des personnels au sol en vue de maintenir ou de rétablir l'ordre public. Bon, ça, c'est clairement pour les manifs. Ah, mon préféré. La prévention d'actes de terrorisme. Et comme les terroristes peuvent frapper n'importe où, n'importe quand, et qu'on ne sait pas qui c'est, et qu'il y a le loup solitaire, ça en fait un paquet de lieux à surveiller. Hein. Le constat des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, bon, bah, ça pour faire des enquêtes, why not. La protection des bâtiments et installations publiques et leurs abords. Donc les bâtiments publics, il y en a quand même beaucoup dans le pays, hein, c'est juste bâtiments publics. Ça peut être une école primaire, ça peut être une mairie, ça peut être le CCAS, j'en sais rien. Enfin, voilà. La protection des intérêts de la défense nationale, établissements, installations, ouvrages d'importance vitale sur le code de la défense, bon, ça va être les centrales nucléaires, etc. etc. Pourquoi pas. La régulation des flux de transport, donc toutes les routes, autoroutes. La surveillance contre les comportements mentionnés au 1 de l'article 236 du Code de la route, donc ouais, ça c'est pour surveiller les routes en fait. Et la surveillance des littoraux et des zones frontalières, on pourra aussi surveiller les migrants s'ils passent. Oui, 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 eh oui, ma petite dame. Le secours aux personnes, ok. Bon, voilà. Et donc ça en fait un paquet. Et ce qui est génial, c'est que... Attendez, je vous dis, il y avait un petit article qui dit que tout le monde peut savoir s'il est en train d'être filmé par un drone, sauf, et il y a toujours un sauf, hein, ça c'est pas drôle, mais lorsqu'elles sont transmises, au temps réel. Alors, lorsqu'elles sont mises en œuvre sur la voie publique, les opérations mentionnées, donc ces circonscrits, sont réalisées de telle sorte à ce qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des domiciles, ni de façon spécifique celles de leur entrée. Mais ce n'est pas pour tout le périmètre qu'on est en train de dire. Donc il y aura des fois, bah oui, on verra à l'intérieur de chez vous, mais de toute façon, on ne peut pas faire autrement quand on filme en gros du haut du ciel. Donc pareil, fermez les rideaux. Hein, voilà. N'en faites pas profiter les gens qui regardent les drones. Donc c'est ça. Le public, attention, tenez-vous bien. Le public est informé par tout moyen approprié de la mise en œuvre de dispositifs aéroportés de captation d'images et de l'autorité responsable. Donc en gros, on vous dit, vous saurez qu'il y a des drones. Il y aura peut-être, je sais pas, un site du ministère de l'Intérieur, quelque chose qui vous permettra de savoir que vous êtes en train d'être filmé par un drone. On peut se dire, bon, ça, c'est une petite protection. Sauf, et donc là, voilà, c'est là où ça commence à dégénérer, sauf lorsque les circonstances l'interdisent, ok, ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Donc là, vous êtes comme ça, hein, qu'est-ce qu'il dit? Donc, évidemment, si c'est pour du terrorisme, surveillance terrorisme, faire savoir que vous êtes un drone, mettez un drone pour surveiller tout le monde au cas d'une attaque terroriste, c'est contraire aux objectifs poursuivis. CQFD, donc voilà, vous pourrez toujours chercher les drones qui sont autour de vous, vous ne les verrez pas sur un site du ministère de l'Intérieur. C'est pour vous dire que même dans le détail, c'est horrible. C'est pas juste qu'on va surveiller tout le monde tout le temps partout, c'est qu'en plus, c'est horrible, il n'y a pas de... je sais pas la CNIL comment ils vont traiter ce machin-là, mais pour moi, c'est pas constitutionnel. Mais bon, après, j'en sais rien. Hein, le Conseil constitutionnel, je mets pas un billet ni dans un sens ni dans l'autre. On verra bien ce que ça donne. Et alors après, du coup, ça, c'est pour vous dire qu'on vous filmera plus qu'on vous filme déjà aujourd'hui. Et aujourd'hui, on vous filme déjà beaucoup, parce qu'il y a des caméras privées dans les transports en commun, dans les commerces, etc. Les caméras publiques qui sont celles des communes. De plus en plus de communes y passent. Et après, au-delà de ça, vous avez les caméras piétons, ils les avaient déjà. Sauf qu'ils ne pouvaient pas transmettre les images en direct jusqu'à présent. Et ils ne pouvaient pas accéder aux images qu'ils enregistraient dans la boîte. Sauf à dire, on m'a agressé et donc du coup, j'ai des éléments de preuve dans ma boîte. Et donc là, je vais regarder dedans pour le transmettre à l'autorité judiciaire. C'est peut-être une des raisons pour laquelle il y a très peu d'enquêtes ouvertes sur la base de ce qui a été filmé par les caméras piétons. Je dis ça, après, je ne veux pas être de mauvaise foi. Mais il y a, à mon avis, il y a un petit truc. Mais je mets ça de côté. Là, on s'en fout, terminé, puisque ça va pouvoir filmer en direct et transmettre au centre de commandement. Et en fait, c'est ça leur délire, c'est que quand il y aura, je sais pas, une crise ou je sais pas, quand ils s'ennuieront, ils pourront aller au centre de commandement, ouvrir un centre de commandement de la police ou en préfecture, peu importe, et raccorder à ça les caméras piétons sur le ventre des agents, qui filment en direct, les drones, les caméras municipales, les caméras des transports en commun, RATP, SNCF et autres transports en commun en fonction de là où vous habitez. Ils pourront y raccorder aussi, quand il y aura des conventions, les halls d'immeubles avec les bailleurs. On pourrait imaginer aussi que vous ayez le parking, le parking au sous-sol où il y a une caméra qui soit raccordée au centre de commandement. Enfin bref, c'est pas... c'est pas de la science-fiction quand on vous dit qu'ils pourront vous filmer partout, tout le temps, et vous voir en temps réel. C'est juste... bon, moi, je vais finir par l'acheter, j'ai pas eu le temps en ce moment, mais il y a un jeu vidéo qui est assez connu, qui est d'Ubisoft, qui en a fait un scénario, hein, en fait. Hein. Déjà, il y a 7-8 ans, je crois, Watch Dogs. Il y a le dernier qui vient de sortir. Bref. Je me suis dit, il faut quand même que j'y joue, parce que je suis sûr que ça ne va pas être trop loin de la réalité, quoi. Malheureusement, on y arrive. Donc voilà, après, là, ça égrène vers la fin, ça égrène des articles, en fait, hein, pour dire qu'ils peuvent accéder aussi aux caméras de la SNCF et que les agents de la SNCF peuvent être habilités à venir dans le centre de commandement pour voir les images, parce que normalement, il y a des habilitations pour être derrière les écrans pour voir les images en temps réel. Ça ne peut pas être monsieur tout le monde qui passe par là, qui dit « Tiens, j'ai vu de la lumière, il se passe quoi ici, il y a des caméras ?» Et donc, jusqu'à présent, il y avait surtout des officiers de police judiciaire, parce que, bon, il y avait une atteinte à la liberté individuelle qui était quand même non négligeable, et on s'est dit qu'en termes de garantie, vu que l'article 66 de la Constitution dit que l'autorité judiciaire, c'est elle qui est garante des libertés individuelles et des libertés fondamentales, gardienne des libertés individuelles, que c'était mieux si c'était des OPJ qui étaient formés à la procédure judiciaire et à tout ça, qui soient derrière les caméras. Puis après, bon, on s'est dit, ouais, non, c'est chiant, on ne pourra pas mettre tout le monde. Donc là, il y a plein d'articles où on dit qu'on peut habiliter comme ça des gens, sans qu'ils soient officiers de police judiciaire, pour être derrière les caméras. C'était déjà le cas, hein, pour les polices municipales, puisqu'il n'y a pas d'officier de police judiciaire. Donc on voit comment, dans un secteur, quand vous ouvrez la voie, tout le reste s'engouffre. Et notamment en matière de terrorisme, il y a plein d'innovations qui ont été faites uniquement d'abord pour les terroristes, puis après on les généralise à tout le monde, hein, comme chacun sait. Notamment les délits d'intention, et l'article 24 n'est pas le premier délit d'intention qui est créé, puisque le terrorisme a largement irrigué ça, avec l'association de malfaiteurs terroristes en vue 2. Et donc à partir du moment où vous avez marqué en vue 2, ça marque qu'on peut vous arrêter rien qu'au stade de l'intention, même s'il faut des éléments de preuve matériels, hein, quand même. N'empêche que c'est à l'appréciation, en flagrant délit, en tout cas, c'est de l'appréciation directe et immédiate du policier. L'article 24. Du coup, on se dit, mais qu'est-ce que fait l'article 24 dans tout ce bazar, en fait? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de rapport, en fait, ça n'a pas de lien avec tout ça. Mais bon, ils l'ont mis parce que forcément, Alliance, SGP Police, Unité SGP Police et UNSA Police l'ont demandé, l'avaient demandé à Castaner, l'ont redemandé à Darmanin. Et comme Castaner s'était mis un peu dans la nasse, parce qu'il s'était passé un truc avec Castaner. Écoutez, il est 20h58, j'ai déjà beaucoup trop parlé, mais il faut que je vous explique ce truc-là. J'avais prédit ce qui est en train de s'arriver. Bon, c'est pas très compliqué parce que ça s'était déjà passé. Mais j'avais prédit que Alliance Police Nationale, SGP Police FO et UNSA Police allaient sortir des tracts pour lyncher le gouvernement suite à la réécriture supposée de l'article 24. Parce qu'il s'était passé pareil avec Castaner quelques mois plus tôt, avant qu'il s'en aille, souvenez-vous. Il y a eu des manifs du Comité pour Adama, Vérité et Justice pour Adama et d'autres organisations qui luttent contre les violences policières. À Paris, il y avait des manifestations monstres. C'était les premières grosses manifs après le confinement. Vous vous souvenez? Et c'était parce qu'il y avait eu la mort de George Floyd aux États-Unis. Et donc, il y avait du foin, tout ça, il y avait déjà des affaires qui ressortaient. Et déjà, Macron, il avait dit « Ouais, Christophe, ce serait bien que tu ailles quand même dire à tout le monde que la police n'est pas raciste et qu'on ne tolère pas le racisme dans la police. » Et donc, il était venu faire une conférence de presse un peu solennelle, je ne sais pas si vous... Il dit « Tolérance zéro pour le racisme dans la police. Même s'il en a un soupçon, on poursuivra ceux qui sont racistes. » Bon, déjà, il avait dit plein de conneries en si peu de phrases, c'était déjà merveilleux, puisque ni pour les policiers ni pour personne, on ne se base pas sur un soupçon pour mettre des sanctions aux gens ou pour les virer, sinon c'est plus l'état de droit, mais bon. Donc, et il s'était pris une volée de tracts des organisations syndicales qui disaient « Oui, après des mois où on s'en prend plein la gueule en manif et on obéit aux ordres, eh ben, le gouvernement nous lâche en nous pointant tous du doigt, etc. » C'était ce qui s'était passé. Donc Castaner s'en va parce qu'il s'était mis à dos à la fois les gens et à la fois la police. Il n'avait pas fait tout ce qu'il avait raconté la police. Darmanin arrive, il dit « Moi, discrimination, racisme, on s'en fout. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est les islamistes. Ah, bim, séparatisme et du tralala. » Donc hop, il nous endort déjà en partie. Et puis il disait « Du reste, c'est les policiers qu'il faut défendre. C'est d'abord les policiers qu'il faut défendre. Donc, ça suffit, ces journalistes militants. Hein, Monsieur Bouaf, là, on vous connaît. » Gaspard Glande, c'est toute la clique là, hein, ça suffit de nous filmer d'aussi près, à moins de 5 cm. C'est pas Covid. Bon, bref, j'en rajoute. Mais du coup, c'était ça la cible pour plaire à Alliance, Unité, et donc il le fait. Il le fait. Il le fait ici parce qu'il en a le mandat de Macron. Parce qu'il a dit, bon. Et la logique sécuritaire est à l'œuvre parce qu'ils ont besoin de l'électorat de droite. Donc, ils le font. À la fin, les gens râlent. Forcément, ils sont obligés de modifier l'article 24 de telle sorte à ce que, oui, les policiers ils avaient compris qu'on ne pourrait plus les filmer, tout court. Alors, tu lui dis, ah non, mais en fait, tu ne pourrais plus les filmer que si les gens ils sont méchants. Ah, d'accord, ça change déjà un peu. Oui, mais en fait, ça ne peut pas être, c'est que le fait de diffuser, donc ce n'est pas vraiment le fait de filmer, et les photos, ça ne marchera pas non plus. La dernière fois, ah putain, fait chier, quoi. Donc déjà, ça sentait le roussi. Et derrière, comme il y a une pression des journalistes, pression dans les manifs et compagnie, on en est au point où on en est arrivé là, hein. Ils sont pas loin de quasiment virer l'article 24. Et forcément, les tracts sont tombés. Voilà, les tracts d'unité, SGP, Alliance, UNSA, en disant oui. Alors en plus, Macron en a remis une couche sur Brut parce qu'il a fallu qu'il mette un coup de braquet de l'autre côté pour dire non, mais je ne ferme les yeux sur rien, c'est insupportable. Alors, il en a rajouté, hein, comme il sait faire. Et puis, il s'est cramé. Donc, ils sont dans la nasse. Et il est lui aussi dans la nasse. C'était prévisible et c'est en train d'arriver sous nos yeux ébahis. Puisque l'article 24, vous avez beau rajouter que c'est en garantissant la liberté de la presse. On s'en fout parce que c'était dans la loi de 81 qui, déjà dans son article premier ou deuxième, le proclame. Donc, rappeler un truc qui est déjà dans quelques articles au-dessus. C'est pas très utile. Et puis, ils avaient rajouté manifestement. Vous êtes manifestement en vue de porter atteinte. Alors, en fait, ça ne change rien parce que ce qu'on dénonçait, c'est pas tant l'article 24 en soi dans l'absolu. Parce que moi, au fond, cet article 24, je ne sais même pas comment un magistrat il peut condamner quelqu'un sur cette base-là. Franchement, il faut vraiment être un crétin fini et filmer les policiers et dire « Ouais, ok, putain !» Je ne vais pas en dire davantage parce qu'il y a des enfants qui regardent. Donc, en fait, le principal problème de cet article 24, c'est que sur la base, c'est ce qu'on appelle l'infrajudiciaire, sur la base de l'analyse propre du policier, de son analyse en manifestation, s'il considère qu'on est en train manifestement de diffuser son image et que lui, il considère que manifestement, ça porte atteinte à son intégrité psychique, puisque c'était ça quand même le terme, au-delà de l'intégrité physique, on voit à peu près en quoi ça consiste, l'intégrité psychique, on rentre dans quelque chose de plus large. Si le policier dit « Non, mais moi, je n'ai pas envie d'avoir ma tête sur les réseaux sociaux, ma famille, mes enfants. » Et puis après, vous faites du Darmanin. Hein. Oui, et s'ils se font taper à l'école parce que leur papa ou leur maman est policière ou policier, vous vous rendez compte. Donc, je préfère pas avoir ma tête sur les réseaux sociaux. Donc, vous voyez un type avec un téléphone, vous ne savez même pas si c'est un live ou quoi, vous êtes policier, vous l'interpellez. Vous l'interpellez, vous mettez au procès verbal, était en train de diffuser, etc. Et puis, il se débrouillera devant le juge pour dire « Ah, mais non, mais je n'étais pas en direct. » Et puis, ou alors, si, j'étais en direct, mais je ne portais pas atteinte à son intégrité psychique. Regardez le live, ça va, tout va bien, j'étais poli, j'ai rien cassé. Et le juge, évidemment, il dira, ah non, mais c'est bon, allez-y, circulez. Classement sans suite ou rappel à la loi. Ce qu'ils font déjà beaucoup pour des outrages, hein, où ils chopent des tas de gens en manifestation qui sont en train de les filmer. Ils disent que c'est de l'outrage rébellion. En fait, il n'y a rien de tout ça. Les gens se retrouvent en 24 heures, voire 36 heures ou 48 heures en garde à vue. Et à la fin ils ressortent, le juge dit ah bah non effectivement il n'y avait rien, enfin, en attendant vous avez quand même passé 24 heures dans un local exigu qui sent pas très bon du tout avec des gens pas forcément très aimables autour de vous, donc en général ça vous dissuade pour les manifs suivantes. C'est ça hein, leur objectif, c'est de dissuader les gens, c'est qu'ils aient peur en fait, c'est que vous ayez peur de sortir votre téléphone et de les filmer en vous disant ah peut-être je vais me faire interpeller, on ne sait jamais, etc. À la limite, je préférais qu'ils interpellent plutôt qu'ils mutilent des yeux. Mais bon, mais ça aussi dans le débat, parce que finalement, sans attendre cet article 24 texte de loi, il y a eu le journaliste de France 3 à 36 heures en garde à vue après la manif à côté de l'Assemblée nationale pour refus de dispersion, attroupement et refus de dispersion après sommation. Donc, ils utilisent déjà ce qu'on appelle de l'infrajudiciaire, c'est-à-dire la prérogative propre des policiers de manière disproportionnée. Donc là, ça aurait juste remis une couche. C'est-à-dire que pour le dire différemment et clore le sujet de l'article 24, aujourd'hui, vous filmez un policier, le policier vous agresse ou vous frappe, etc. C'est à lui de prouver qu'il est en tort et qu'il vous a agressé pour rien, etc. Demain, avec cet article 24, même scène, vous êtes en train de filmer, il vous frappe, ce sera à vous de prouver que vous êtes innocent. Pas exactement la même chose. Pas exactement la même chose. Bon, y a un petit truc pour clore ça, c'est les policiers qui portent leurs armes hors service, ce qui était déjà le cas depuis 2015, il faut le savoir, depuis le Bataclan, tous les policiers et gendarmes peuvent être hors service avec leur arme à feu. Mais, parce qu'il y a un mais, quand il rentrait dans des établissements recevant du public, un théâtre, un cinéma, une boîte de nuit, un machin, il devait signaler qu'ils étaient porteurs d'une arme. Et c'était le responsable de l'établissement, le chef d'établissement, de décider s'il autorisait le policier ou pas à rentrer avec son arme à feu. Et donc, il y a des endroits, des salles de spectacle, des discothèques, qui ont dit non, nous, vous avez une arme à feu, vous ne rentrez pas. Et là, vous avez Jean-Michel Fauvergue qui vous dit oui, mais au Bataclan, dans la salle, il y avait 3 policiers. S'ils avaient eu leur arme de service sur eux, peut-être que ce ne serait pas passé comme ça. Alors, ça fait beaucoup de conditionnels, je vous l'accorde, mais suffisamment pour cet article 25, si je ne dis pas de conneries. Oui, c'est ça. C'est ça, article 25. C'est suffisant pour dire que tous les policiers peuvent rentrer, enfin, c'est écrit comme ça, un peu quand il a son arme, ne peut lui être opposé lors de l'accès à un établissement recevant du public. Donc, le fait qu'il ait son arme à feu sur lui, ça ne peut pas lui être opposé pour lui refuser l'accès à un établissement recevant du public. Donc, demain, le policier qui a son arme hors service, je dis bien hors service, qui va en boîte de nuit, il peut rentrer dans la boîte de nuit avec son arme. Et vous voyez, votre imaginaire, je suis sûr, fait le reste, là, au moment où on se parle, et donc, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Et d'ailleurs, c'était marrant parce qu'il y avait un député de La République En Marche qui est un ancien patron de discothèque qui nous racontait des anecdotes, déjà aujourd'hui, alors que ce n'est pas autorisé, de policiers devant l'établissement qui avaient leur arme de service, bagarre qui dégénère, machin, enfin voilà, vous voyez un peu de... Et donc, il y a aussi cet article-là qui a à prendre en compte sur la dérive sécuritaire et le fait qu'aujourd'hui, rappelons-le, la première victime des armes à feu des policiers, ce ne sont pas des terroristes, ce sont les policiers eux-mêmes, par le suicide et leur famille aussi, puisqu'il y a beaucoup de faits divers de policiers qui vont tuer l'amant de leur femme ou la maîtresse de leur compagnon si c'est une femme policière, ou alors il y a aussi le cas de figure où il y a eu des suicides de policiers où avant de se suicider, ils ont tué toute leur famille. Enfin, il y a des affaires glauques quand même. Mais sauf que, y compris dans le suicide, il y a plein d'études qui ont montré que quand vous n'avez pas accès à une arme à feu, la probabilité que vous suicidiez tout court, pas la probabilité que vous suicidiez avec votre arme, la probabilité que vous suicidiez tout court chute drastiquement. Et comme c'est la deuxième profession où il y a le plus de suicides, je pense qu'à un moment donné, il est légitime et utile de se poser des questions. Voilà, je vous ai tout brossé. J'ai préféré commencer par le cadre général, le contexte, parce que ça me semblait plus important. Et pour terminer, juste dire, on défend l'autorité de la police. Moi, je suis pour que la police ait de l'autorité. Mais pour qu'elle ait de l'autorité, et là je vais faire du Darmanin, il faut qu'elle soit respectée. Et pour qu'elle soit respectée, il faut qu'elle soit respectable. Je trouvais ça un peu trash, moi, quand je le disais moi-même, avant que Darmanin le dise. Mais bon, maintenant qu'il le dit, on peut y aller, hein, on y va. Et donc, pour qu'elle soit respectable, il faut qu'elle soit contrôlée, il faut qu'elle respecte la déontologie, il faut que les citoyens puissent voir ce qu'ils font. Et le fait que les citoyens puissent voir les interpellations et constater que ça se fait dans un cadre républicain, c'est la meilleure garantie de l'autorité de la police. C'est sa meilleure garantie d'avoir de la confiance de la population et de l'autorité. Bon. Donc, qu'on arrête de nous raconter le contraire, puisque évidemment, je vous rappelle, hein, vous êtes tous des anti-flics là, autour de cette visio, et ainsi que les gens qui nous regardaient, je suis sûr que vous êtes des anti-flics au fond de vous. Et même quand vous dites que vous voulez qu'il y ait des policiers nationaux qui soient recrutés, mieux formés, etc., vous êtes quand même des anti-flics parce qu'on ne sait jamais. Non. Donc, là, c'est bien parce qu'on a atteint quand même une forme de, je ne vais pas dire une hégémonie culturelle, mais je le dis quand même, on a atteint une hégémonie culturelle dans l'alternative à ce qu'on pourrait faire vis-à-vis de la police. Pas sur le sujet sécurité, sur le sujet police, c'est pas vrai, on ne va pas se mentir, mais en tout cas sur qu'est-ce qu'il faudrait faire d'autre. Assez vite, on retombe sur les propositions qu'on formule dans le livre de sécurité. Et sur tous les domaines, quand je vous disais les 6 ou 7 péchés capitaux de Darmanin, finalement, il finit par dire ce qu'on raconte dans le livret, quoi. Qui a un modèle, c'est juste là un peu de bon sens, c'est un peu logique. Quand vous ne voulez pas partir dans un sens, vous êtes parti dans l'autre. Quand vous ne voulez pas avoir une police de projection du 17, vous appelez le 17 et les mecs déboulent, ah, qu'est-ce qui se passe? Ils repartent aussitôt et tu ne les vois plus jamais. Et ben, le modèle, l'opposition, c'est le modèle de proximité. Et donc les choses se tiennent de manière assez cohérente et concordante. Voilà, j'étais beaucoup trop long. mais c'est pas grave. Non, ça vous a plu. Merci beaucoup Hugo et merci Elisa pour l'introduction. Alors déjà, tout d'abord pour vous dire qu'on est 81 sur Facebook et en tout, on est presque une centaine du coup en tout, donc c'est quand même très très bien. On va passer au moment des questions. Donc sur Facebook, n'hésitez pas à les poser directement sur le live. Il y a quelques secondes de latence, donc si je ne prends pas la question tout de suite, c'est que je ne les vois pas tout de suite. Si ceux qui sont en visioconférence ont des questions, alors pour le petit procédé, vous pouvez appuyer sur participant et en bas à droite, vous pouvez lever la main et je vous donnerai la parole pour que vous puissiez le faire de façon à ce qu'on ne se coupe pas entre nous. Donc voilà, j'ai déjà quelques questions sur Facebook, mais je pense que c'est bien si vous en avez déjà vous, qu'on puisse les poser. Puis moi, j'alternerai avec celles sur Facebook. Voilà, merci encore Hugo. Vas-y Adrien. Oui, bonsoir, merci de me donner la parole. Bonsoir Hugo, merci pour cette intervention plus que claire. J'avais une question parce que nous, ici à Grenoble, on est sur un territoire de montagne et on a aussi affaire à des... gendarmes et des CRS spécialisés dans le secours à la personne. Et je me posais la question, est-ce que ce ne serait pas possible que dans les formations de policiers et de gendarmes, entre guillemets lambda, il puisse y avoir quelque chose qui soit mis l'accent autour de la formation en secourisme, parce que comme ça, peut-être que ça permettrait d'avoir des secouristes dans les manifs, alors qu'aujourd'hui, on sait que c'est des bénévoles bien sûr formés, mais ça reste des bénévoles qui peuvent être considérés comme manifestants. Et donc, peut-être que ça permettrait d'avoir une certaine désescalade si les policiers en face savent que dans le cortège, il y a aussi certains de leurs collègues qui puissent être amenés à s'occuper des blessés s'il y en a. Je ne pense pas forcément à des gens qui soient blessés par des charges ou par des… du matériel de police, mais simplement des gens qui peuvent faire aussi un malaise parce qu'il y a il y a beaucoup de monde, il y a des gens qui peuvent à un moment ne pas se sentir bien dans la foule, qui fait trop chaud ou qui fait trop froid. Enfin voilà, il peut y avoir plusieurs choses. Mais et voilà, on sait ce que certains matériels peuvent faire comme dégâts sur des manifestants. On en a encore eu la preuve ce week-end. Merci. Hugo, je te propose de prendre quelques questions ou tu veux répondre directement comme tu veux? Je préfère répondre directement parce qu'après, on oublie les questions. Moi, en commission d'enquête, en tout cas, c'était une question et une réponse parce que sinon… en même temps, c'est parce qu'en face de moi, j'avais les rois de l'embrouille qui vous posaient trois questions, ils en répondent qu'à une seule. Et bon, ouais. Donc, je me suis dit, pour l'intelligibilité, une question, une réponse. Alors, attendez, je regardais parce que je ne sais plus… est-ce que c'est protéger et servir? Non, ça doit être secours. Protéger et servir, ça doit être ça, le slogan normalement de la police nationale de la sécurité publique. Parce qu'en fait, il faut pas oublier que les véhicules de police qu'on voit passer comme ça, donc qui travaillent dans le périmètre de ce qu'on appelle la sécurité publique, et on appelle ça, ce service-là, celui que les patrouilles qu'on voyait tourner, on appelle ça police-secours. Ils n'ont jamais changé le mot, mais parce qu'à la base, l'idée quand même d'origine, c'est de secourir. C'est pas de faire la chasse aux délinquants, je sais pas quoi. C'est voilà, premier secours quoi. Et c'est marrant que tu poses cette question, notamment sur les CRS et les gendarmes en montagne, parce que je ne sais pas si ça va durer ces dispositifs-là. Il faudrait que je regarde dans le livre blanc de la sécurité qu'a fait Darmanin, parce que pareil, pendant des années, ceux qui faisaient le secourisme sur la plage, les maîtres nageurs sauveteurs, c'était des CRS. Et ça a quasiment disparu. Le dispositif existe encore, mais il est quasiment plus utilisé, parce qu'au départ, le CRS le faisait. Ensuite, on a dit « Oh, mais quand même, c'est un service qu'on rend aux communes, il faudrait faire payer les communes. » Ok, on a fait payer les communes. Et à la fin, ils ont dit « Non, mais c'est bon, les CRS n'ont pas que ça à faire. » Or, dans les relations police-population, d'avoir son policier, son gendarme, je sais pas quoi, qui est en slip de bain sur la plage, là pour vous aider au cas où vous êtes en train de vous noyer, bah c'est plus sympa que quand il a une matraque, un bouclier, une tenue anti-émeute et qui vous jette du lacrymo. Voilà, je le dis comme ça pour qu'on visualise bien l'image, mais y compris pour le policier lui-même, faire ça à un moment donné dans l'année, c'est quand même autre chose sur justement ce qu'est le métier de policier ou de gendarme, de secourir les personnes et aussi de poursuivre ceux qui font des délits et des crimes. D'accord, mais c'est les deux, quoi. C'est pas que l'un, c'est pas que la projection, comme on disait tout à l'heure. Et parce qu'il y a une tentation, y compris sur les secours, je suis sûr qu'il y a la même tentation en montagne, de dire on va filer ça à la sécurité civile ou aux pompiers, c'est pas notre mission, et on va revenir le mot-clé. Quand vous entendez cœur de métier, là ça doit clignoter, vous allez dire quoi, on est en train de m'embrouiller, là ils sont en train de m'embrouiller. Il a dit cœur de métier, c'est que ça va pas, il y a un truc qui cloche. C'est des petits réflexes comme ça. Non, le cœur de métier de la police, c'est pas d'avoir des LBD, des guns, des 9 mm et de tirer dans tous les sens et de faire des dérapages avec une voiture banalisée. Non, c'est pas ça le métier, quoi. En tout cas, c'est pas que ça. Donc, et il y a des services différents. Si vous voulez faire les services d'intervention, les gros bras, machin, contre les gros méchants, vous allez au raid. Voilà. Mais vous n'allez pas en police secours pour faire ça. C'est pas possible, quoi. Police secours, vous allez intervenir sur un différend familial où ça chauffe à la maison. Donc, si vous sortez votre arme, en fait, ça va. Tout le monde va avoir peur d'ailleurs vis-à-vis de vous. Ça va pas marcher. Enfin, si vous allez liguer tout le monde contre vous, a priori, ça va avoir son petit effet. Mais en théorie, là, ça va requérir des compétences humaines, de formation, de désescalade, mais dans la parole, de faire baisser le niveau de tension, etc. Si vous hurlez sur les gens parce que vous êtes flic et que vous avez spontanément de l'autorité, ça risque de pas marcher, en fait. Et sauf qu'on leur apprend très peu ça à l'école de police. Et je relie avec la formation initiale à ce que tu disais sur le secourisme. Oui, on a besoin d'une formation initiale en béton armé. On n'a pas besoin de la remettre à 1 an. On a besoin de la passer à 2 ans, voire éventuellement, peut-être quand on sera au top des moyens et du nombre d'écoles de police, passer même à 3 ans. Il y a des pays où il y a 3 ans de formation initiale pour devenir policier. Donc, passer le concours et en plus 3 ans. Et à la fin de ces 3 années, vous sortez. Parce que finalement, on est obligé de mobiliser plein de compétences différentes dans le métier de policier. Entre un différend familial, entre gérer un mec bourré, gérer quelqu'un qui s'est drogué dans la rue, qui est là, ou gérer une bagarre, c'est quand même des scénarios très différents. Et là où il y a une focale à mettre sur le secourisme, c'est clair et net. Par exemple, je prends sur les drogues. Ça m'a fait immédiatement penser à la question des drogues. Bon, nous, comme vous le savez, on est pour la dépénalisation de l'usage de l'ensemble des drogues et la légalisation du cannabis, y compris récréatif. Il y a des tas de pays où le policier, et notamment c'est le cas au Canada, il a sur lui je ne sais plus le nom du coup, je ne vais pas le retrouver, mais il a le médoc qui permet de sauver quelqu'un quand il est en train de faire une overdose. Il y a un médoc de première intervention qui est disponible dans toutes les ambulances, les pompiers l'ont, mais les policiers ne l'ont pas. Et ils ne savent pas utiliser ce truc-là. Et au Canada, ils l'ont tous. Et donc, quand vous arrivez quelqu'un qui est en train de faire une overdose de drogue, avant d'être quelqu'un qui a commis une infraction sur la législation des stupéfiants, c'est quelqu'un qui est en train de faire une overdose et qu'il faut sauver. Voilà. Et donc là, dans ce cas de figure, je préférais à la fois une qui soit formée à sauver la personne et de deux, qu'ils aient l'équipement adéquat pour ça. Donc, il y a d'autres pays qui ont pris cette décision et ça fonctionne. Bon, en plus, je suis pour que celui qui soit usagé, vous l'aurez compris, ne soit plus pénalisé. Donc, il ne sera plus du tout vu comme un délinquant, mais juste comme quelqu'un à sauver dans les médias s'il fait une overdose. Et ça, changer cette mentalité-là, ça se fait à la fois par la formation, parce que là, si du jour au lendemain, vous dites aux policiers, vous allez aider les gens qui se sont évanouis, vous allez aider les gens qui sont en train de faire des overdoses, etc. Ils vont vous dire, ouais, vous êtes bien gentil, mais je ne sais pas comment on fait, moi. Je n'ai pas été formé à ça, j'en sais rien. J'en sais rien comment on fait. Et ils auront raison de dire ça. Donc, c'est clair qu'il faut le lier à la formation initiale et formation continue. Et quand on voit d'ailleurs que les policiers et les pompiers se renvoient très souvent la balle sur les interventions, mais alors très, 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 très souvent, pour ceux qui connaissent un peu, finalement, ça veut dire que ce soit un policier ou un pompier qui intervienne, si c'est une première intervention bénie, en tout cas des gestes de premier secours, oui, c'est déterminant qu'ils sachent tous le faire. Voilà, je vais pas être plus long, mais c'est clair que... si on avait une formation initiale beaucoup plus longue, ça ferait partie des choses qu'on demanderait de faire en termes de formation aux policiers et aux gendarmes. Parce que c'est vrai que quand quelqu'un s'évanouit en manif, oui, ça pourrait être au policier juste à côté de le prendre en charge, d'appeler les pompiers, l'ambulance, et pas juste de dire « Attendez, moi j'ai ma matraque et mon bouclier, mon lacrymo, je ne peux pas faire du bouche à bouche. » là. Encore une fois, je suis un peu dans la caricature et dans l'excès, c'est pour que vous ayez les bonnes images en tête. Parce que ça me semble vraiment important qu'on puisse redonner cette fonction aux policiers de rendre service. Non, quand quelqu'un vous demande la route, vous êtes policier, vous êtes dans la rue, quand quelqu'un vous demande son chemin, où est la gare, où est le distributeur le plus proche, eh ben, dites-vous que vous rendez aussi un service, une forme de service public. On n'est pas là en train de vous emmerder ou je sais pas quoi. C'est pas en dehors de votre cœur de métier. Et juste pour terminer, parce qu'on aura besoin, une fois qu'ils auront une formation initiale en béton, si en plus on a des gens qui font le service citoyen obligatoire, vous savez que ça fait une petite polémique ces derniers temps, et qu'on a des jeunes gens qui sont là dans la police pour faire ça, ça veut dire que potentiellement demain ils sont mobilisables quand il y a une crise majeure à gérer, des choses importantes à gérer. Et vraiment au fond, par exemple, mais ça c'est pas un changement qui a opéré dans la formation, tout ça, mais il y a des pays, je crois que c'était en Suisse, les policiers ils avaient des masques sur eux au début de la crise du Covid, et quand ils voyaient quelqu'un qui n'avait pas de masque, ils lui donnaient pas une amende de 135 €, ils lui donnaient un masque. C'est pas la même mission, mais je crois que ça fonctionnait mieux en Suisse. Yes, merci. Il y a, juste pour prévenir, il y a une dizaine de questions sur Facebook aussi, donc pour vous dire qu'il y a quand même beaucoup de questions. Donc si on peut essayer de, voilà, de, au vu du temps qu'il est. Oui, je vais faire plus rapide. Et puis pour les questions, surtout qu'on raccourcisse aussi peut-être. Il y avait Émilie et Alan, enfin l'un des deux ou les deux, je ne sais pas. Je propose juste après que tu puisses répondre du coup à Émilie et Alan, et que ensuite je pose une question qui est sur le live, et après je donnerai la parole à Elisa si ça te va. Voilà. Tu répondras entre-temps, mais voilà, pour te dire. Allez-y. Ouais, merci Hugo pour la présentation. Moi, Darmanin, tu m'as fait penser à Wauquiez, hein, parce que sur les flics, nous, on a eu le droit à la gratuité pour les TER, pour les flics et les CRS, parce qu'ils ont tout le temps leur arme dessus. Et grâce à une idée du Rassemblement national, on a eu les douaniers en plus. Voilà, c'est des magnifiques débats aussi. Mais par contre, tu n'as pas beaucoup parlé sur les caméras de vidéosurveillance et les drones. Moi, j'aimerais savoir combien de temps ils gardent les images et si réellement, ils ont du monde derrière. Parce qu'on voit bien sur les centres d'images de caméras de vidéosurveillance que la moitié des caméras ne fonctionnent pas, que les agents ne sont même pas formés à savoir contrôler les caméras et à vraiment voir. Donc, et aussi l'argent que ça coûte tout ça, quoi, parce que les drones, ça coûte quand même une blinde. Et qu'on n'augmente pas nos soignants, on a des plans sociaux qui arrivent, quoi. Enfin, l'argent pourrait être utilisé pour des services publics et pour autre chose. Donc, est-ce qu'il y a un chiffre par rapport à ça ou c'est chèque en blanc nos limites? Alors, il n'y aura pas de chiffre pour une raison bien précise, c'est que comme c'est une proposition de loi, il n'y a pas eu d'étude d'impact du gouvernement et pas d'avis du Conseil d'État. Or, souvent, c'est l'étude d'impact du gouvernement. Alors, elle est du gouvernement, mais ça donne une piste de ce qu'ils comptent faire pour la mise en œuvre, combien ça va coûter, etc. Donc là, on est vraiment on n'en sait rien, quoi. Si, il y a eu juste eu, parce qu'on a glané les informations. Je vous dis ça parce que j'ai gardé la note sous les yeux. Alors, les drones, en pleine crise sanitaire, étaient publiés 12 appels d'offres pour un accord cadre d'un montant total d'environ 4 millions € sur 4 ans et décomposé en plusieurs lots, 565 mini-drones du quotidien, 1,8 million d'euros hors taxe. 66 drones de capacité nationale, c'est des gros drones discrets à 120 mètres, ça c'est 1,58 million d'euros, et une vingtaine de nanodrones spécialisés, je ne sais pas ce que c'est, mais en tout cas, qui doivent peser moins de 50 grammes, 175 000 €. Donc voilà, au moins tu as les tarifs et tu as les appels d'offres qu'ils ont déjà passés, parce qu'il faut savoir que jusqu'à présent, il n'y avait pas de cadre. Donc, comme il n'y avait pas de cadre, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Il y a eu le recours au Conseil d'État pendant le confinement de la Quadrature du Net, qui a obtenu une décision d'interdiction d'usage des drones dans le cadre du confinement. Ce qui fait que la préfecture de police, par exemple, continuait d'utiliser des drones en manif, y compris après le confinement. Parce qu'ils ont dit, non, mais le Conseil d'État ne s'est pas prononcé là-dessus. Ils faisaient les hypocrites, quoi. Mais... Donc, sur la conservation des images, je crois qu'ils ont mis 1 mois. Mais il y a quand même la petite formule, si elles ne sont pas utilisées pour des raisons administratives, judiciaires ou disciplinaires. Mais administratives, excusez-moi, mais c'est large. Ce qu'on appelle le renseignement intérieur ou extérieur, peu importe, mais les activités de renseignement, que ce soit la DGSI ou le renseignement territorial, c'est une activité administrative. À la différence du judiciaire, où là, c'est dans un cadre d'enquête administrative judiciaire. Donc, moi, ça ne me rassure pas plus que ça. Surtout que le cadre actuel pour une caméra de vidéosurveillance classique, c'est pareil, conservation des images à moi, sauf pour les mêmes raisons. Et souvenez-vous, je vous ai parlé de Benalla, mais ce n'était pas un mauvais exemple en soi, c'était même un excellent exemple. Au moment où l'article du Monde est publié et où les deux commissaires là, vont rechercher les images pour filer sur un CD à Benalla ce qui s'est passé sur la place de la Contrescarpe ce jour-là pour qu'Ismaël et Mélien puissent faire un montage fallacieux pour faire croire que Benalla, en fait, il était pour rien et montrant les images des manifestants en train de lancer des pots de fleurs. C'est quand même ça. Et puis il l'a retiré après de Twitter parce qu'il avait mis sur un compte ami En Marche et il s'est fait griller. Enfin bref, je remets ça de côté. Il y a une enquête judiciaire en cours. Ça faisait bien plus d'un mois. L'affaire est sortie quoi, fin juin, début juillet, un truc comme ça, l'affaire Benalla, et c'était le 1er mai. Comment ça se fait que 4 mois plus tard, là, les images soient sur un CD ? C'est quoi cette histoire ? Bon, voilà. Donc, bon, je ne suis pas rassuré, quoi. Et quand ce sera au centre de commandement transmis en direct, bah, je vous l'ai dit, en fait, oui, jusqu'à présent, il n'y a que des personnes habilitées qui peuvent être derrière les écrans. Mais en égrenant les différents articles, ils ont allégé et assoupli les conditions pour attribuer des habilitations. Donc, il y a toujours des habilitations, mais c'est beaucoup plus facile de les donner. On peut les donner à beaucoup plus de gens. Donc, voilà, c'est ça la réalité. Alors après, même sur les caméras piétons, moi, j'avais lu des études à l'époque américaines et suisses. Enfin, j'avais lu, non, je me les suis fait traduire hein, par des gens compétents et qui m'en ont fait la synthèse. Je ne suis pas encore complètement trilingue. Et ça montrait quoi ? Que les caméras piétons, soit ça ne changeait rien, c'est-à-dire globalement en fait, hein, la situation, il n'y avait pas moins d'agressions de policiers, pas moins de gens qui disaient être agressés par des policiers. Donc soit ça ne changeait rien, soit ça faisait de l'autocensure des policiers. Parfois pour des bonnes raisons, parce qu'effectivement, s'ils s'autocensurent pour éviter de faire un contrôle aux faciès, bonne raison, soit des fois par des mauvaises raisons. C'est-à-dire que, ah, oula, ça pue, il y a une bagarre et tout, je ne vais pas y aller, parce que sinon, si je n'active pas la caméra piéton, bah, ouais. Bon, voilà. Vous avez compris le truc. Donc, c'est clair que la question doit se poser, y compris pour les caméras piétons, sur ce qu'on en fait. Est-ce que ça filme en continu ? Est-ce que ça enregistre ? Est-ce que c'est même utile ? Parce que, je dois l'avouer, dans le mouvement antiraciste, il y a des gens qui réclament effectivement que les policiers aient systématiquement des caméras piétons. Ils réclament que ça filme et que ça enregistre en continu pour que ça puisse être utilisé contre les policiers. Il y a des tas d'associations antiracistes, des avocats qui demandent à ce qu'il y ait des caméras dans tous les véhicules de police pour filmer ce qui se passe à l'intérieur du véhicule de police. Bon, je vous avouerai que spontanément, je ne suis pas chaud de foutre des caméras partout, comme ça, là, de but en blanc. Après, bah, ça se discute, mais... au fond, on cherche quand même un palliatif à un problème dont on ne va pas résoudre la cause en mettant une caméra. C'est-à-dire que si le policier fait du contrôle aux faciès et du délit de faciès, ça a des causes un peu plus profondes et un peu plus problématiques. Mais en même temps, l'argument se vaut aussi de dire « Ouais, mais en attendant, on fait quoi ? Un palliatif. » Donc, je ne sais pas, peut-être que le moment venu, on fera quand même les caméras dans les véhicules, mais pas forcément les caméras sur les agents. J'en sais rien. Honnêtement, à réfléchir. C'est ouvert parce que on fera une proposition de loi 4 sur la sécurité. Je sais pas, on l'appellera peut-être. Vu qu'ils ont dit sécurité globale, on voulait faire une proposition de loi 4 de la France insoumise sur le sujet. On l'appellera peut-être loi d'orientation et pour une sécurité totale de la France insoumise. C'est pour nous dire que c'est le Venezuela, tout ça. Non, on fera pas ça. Mais on va faire une proposition de loi cadre, évidemment. Je pense avoir répondu plutôt dans le détail du coup, à cette question pour revenir sur les différents éléments. Encore merci. Alors du coup, je passe à une question ou deux sur Facebook et après je passerai, quand tu auras répondu la parole à Elisa, parce qu'on en a quand même beaucoup sur Facebook. La question c'était, on peut notamment voir grâce à l'enquête de Street Press sur un groupe Facebook qu'il y a un vrai problème de diffusion des idées de l'extrême droite et du racisme au sein de la police. Comment est-ce qu'on peut remédier à cette situation, peut-être par l'inclusion de notions de sociologie dans la formation des policiers. Une évidence. Une deuxième question, ça t'embête un petit peu, mais c'est parce qu'il y en a plusieurs, donc voilà. C'est Maour qui demande pourquoi c'est un policier OMP qui représente le ministère public, le ministère de la Justice au tribunal de police. Voilà. J'ai choisi une question assez courte de façon à pouvoir te laisser. Et du coup, il y aura Elisa, Hugo, et je crois que c'est tout ce que j'ai vu. Ouais, bon, quand le policier fait OMP, fait officier du ministère public, il n'est plus policier en tant que tel. et il représente l'autorité judiciaire par délégation. Je comprends la question parce qu'elle peut interroger sur la séparation des pouvoirs, parce que le policier, c'est l'exécutif, l'OMP, c'est l'autorité judiciaire. En fait, c'est juste que comme il y a beaucoup de comparutions au tribunal de police, qu'il n'y a pas suffisamment de procureurs, bah, ils ont délégué le rôle à les policiers qui ont la mission sur une durée déterminée. C'est juste un principe de réalité, de pragmatisme, quoi. Mais on pourrait tout à fait voir les choses différemment. Si on avait suffisamment de procureurs de la République dans ce pays, on ne se poserait pas la question. Et comme on a 2 fois moins qu'en Allemagne, et quand on arrivera, on en aura 2 fois plus, bah ça, voilà. Alors quand je dis qu'il y en aura 2 fois plus, il y a un petit souci, hein, c'est que c'est pareil, l'ENM, l'École nationale de la magistrature, elle n'a pas des murs qu'on peut repousser à l'infini. Le temps de former les gens, il faut le temps qu'ils sortent de la promo. Donc il y aura peut-être des mécanismes à très court terme pour incorporer à la profession de magistrat des gens qui sont déjà, je sais pas, avocats depuis 15 ans et qui font une formation de 6 mois pour... genre ça, il y a peut-être des choses à voir. Ça existe déjà, hein, ce genre de truc. Ça s'appelle les recrutements externes. Non, ça s'appelle... il y a une voie particulière d'intégration directe à la magistrature. Tout ça, c'est important d'y penser, hein, parce que comme on va gagner en 2022, c'est pas au moment où on y sera, on se dit comment on fait pour recruter les magistrats. Donc on essaie d'anticiper tous ces aspects-là. Mais sur l'OMP, c'est comme ça, parce qu'en plus, comme ça s'appelle tribunal de police, alors les mots... Bon, bah du coup, le fait que ce soit un policier qui fasse le ministère public pour du contraventionnel, parce que ça reste quand même dans du contraventionnel, c'est sûr que ça pourrait être mieux si c'était des gens issus de la magistrature. En attendant, bon, c'est un moindre mal, quoi. Voilà. Je le dis comme je le ressens. Il y a eu un rapport qui a été fait par ma collègue Cécile Untermeyer très récemment sur les officiers ministériels publics, parce qu'il n'y a pas que les policiers au tribunal de police. Il y a aussi les notaires, les huissiers, etc. Donc c'est beaucoup plus large que ça sur ce sujet. Et la première question, c'était sur... Je l'ai noté, j'ai noté ça où ? C'était sur la formation. Oui, c'était sur la formation. Le rôle des réseaux sociaux et des comportements un peu... Tu sais, c'était l'article de Street Press. Ouais. Alors, bon, je vous l'ai dit, la formation, il faut l'augmenter drastiquement. Mettre des sociologues, oui, c'est une évidence. Beaucoup. Et en plus, on a des très bons en France, au CESDIP. Je pense notamment à Fabien Jobard, Christian Moana. Je pense à... j'ai peur de me tromper de prénom. Virginie ou Valérie ? Virginie Gautré. Bon, il y en a plein de ce laboratoire de recherche et d'autres laboratoires en France qui sont très calés sur le sujet. Sébastien Rocher, que vous connaissez peut-être, je crois qu'il doit donner des cours à Sciences Po Grenoble, si tu as pleuré. Je pense qu'il est prof là-bas même. Et il a fait un reportage là, sur Public Sénat il n'y a pas longtemps, sur le maintien de l'ordre qui est excellent. Il a été viré de l'école des commissaires, lui, parce qu'il était trop sociologue, quoi, trop critique de la police. Donc ça vous donne un peu l'ambiance en ce moment. Donc oui, effectivement, on va faire absolument le contraire. Et il faudra des formations aussi à la gestion des conflits. Et gestion des conflits, pas comment on fait une clé de bras ou comment on tire dans la cible. Non, gestion des conflits avec sa bouche. Avec sa bouche ou avec son corps, puisque la communication non verbale joue énormément soit de la conflictualité, soit de la désescalade. Donc oui, on les formera à tout ça, c'est un impératif, c'est nécessaire. Et d'ailleurs, on refera passer dans la moulinette de la formation continue tous ceux qui sont actuellement sur le terrain. Et donc, comment on fait pour qu'ils respectent la déontologie ? Eh ben, on met en place, on renforce tous les mécanismes de contrôle, dissolution des GPN, et on fait un vrai contrôle externe sur le même modèle que ce qu'ont fait les Anglais en 2013, parce qu'ils ont eu des problèmes en 2011 en Angleterre avec des interventions qui ont mal tourné, des polémiques, machin, et hop, ils ont fait une loi. Ça s'appelle l'IOPC, Independent Office Police Conduct. Ouais, pour la conduite de la police, enfin, son comportement. Et donc, les enquêteurs de cette... en fait, il y a des offres d'embauche. Vous pouvez demain, vous là-bas, en Angleterre, candidater pour dire, voilà, je veux devenir inspecteur sur la police, sur la déontologie de la police. Et donc, voilà, si vous avez le niveau de diplôme, bah, vous faites ça, et ça devient votre métier. Alors, évidemment, il y a des policiers dans le truc qui donnent leur expertise, mais ce n'est pas les policiers qui sont majoritaires et qui gèrent le truc. Et surtout, c'est cet office-là qui donne les sanctions. Ça ne dépend pas du ministère de l'Intérieur là-bas. Petite nuance, parce qu'aujourd'hui, le défenseur des droits, Là, quand il propose des sanctions, Darmanin, il peut dire « j'en ai rien à faire ». Voilà. D'ailleurs, il n'en a rien à faire, ce qui est un problème fondamental. Donc, bah oui, on va renforcer ça, renforcer le contrôle hiérarchique, bien dire ce qu'on souhaite aussi, ce qu'on veut, parce que bien définir ce qu'on veut, c'est aussi définir ce qu'on ne voudra pas et ce qu'on pourra sanctionner localement et nationalement, et faire en sorte qu'il y ait… Alors, on fera une circulaire de politique pénale, en attendant qu'on fasse une loi de politique pénale, parce qu'on ne va pas tout réformer en un jour, mais en tout cas, on fera une circulaire de politique pénale aussi pour que les parquets aient une vigilance particulière sur tous ces sujets-là et qu'ils les traitent rapidement et pas que ce soit des trucs qui s'entassent quand on des piles de dossiers quand on conteste l'activité de la police. Enfin, il y a plein d'éléments comme ça. Et puis, je vous ai parlé tout à l'heure, souvenez-vous, de l'histoire de mon service citoyen, service national obligatoire. Eh ben, le jeune ou la jeune qui va faire son truc dans la police, qui va rester 1 an avec eux et qui derrière sait qu'il ne restera pas dans la police en tant que tel, qu'il y a un autre métier, d'autres perspectives, d'autres envies, il aura moins de scrupules à dénoncer ce qui s'est passé dans le commissariat du coin que celui qui va rester là et qui va être dans l'omerta et qui ne pourra pas… C'est ce qu'a fait Valentin Gendreau, le journaliste, là, qui est resté en immersion. Il n'a pas besoin de rester très longtemps pour voir… pour être confronté à des difficultés comme celle-là. Et dites-vous bien qu'on a moins de faits divers de ce genre-là dans la gendarmerie, aussi parce qu'il y a énormément de réservistes citoyens dans la gendarmerie nationale. Et que du coup, bah, peut-être que le gendarme, il y en a certains qui déconnent, qui sont un peu d'extrême droite, tout ça, etc. Mais du coup, ils font gaffe. Et ils se tiennent mieux. Et ça, c'est important. Ça, c'est important aussi comme moyen de contrôle direct et immédiat des citoyens. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Moi, je me souviens d'Arnaud Montebourg sur France 2 pour la présidentielle, quand c'était les primaires, là, qui avait proposé ça. Il y avait un syndicaliste qui avait dit « Quoi ? N'y pensez même pas ! Hors de question ! Et on ne va quand même pas s'occuper des gamins alors qu'on a déjà suffisamment de boulot comme ça !» Bon, voilà. Action un peu primaire de syndicalistes d'une SGP Police, c'est faux. Je ne m'attendais pas à ça de leur part. Mais vu qu'ils sont contre, j'ai plutôt envie d'être pour. C'est mon côté provoque, ça. Vas-y Elisa, tu peux poser tes questions. Merci. Non mais juste une petite remarque sur l'affaire des caméras piétons. Nous, on a plutôt fait partie des élus qui demandaient à ce que réglementairement, parce que hein, tu te rappelles, au début, ça s'est fait un peu n'importe comment, n'importe qui était équipé n'importe comment, plutôt dans une logique d'avoir un élément supplémentaire de contrôle. Quand on est arrivé en 2014, il y a eu une forme de choc culturel avec le service de police municipale qui était entré dans une logique d'attribution de l'arme de poing que nous avons arrêtée. On avait un service de police municipale qui n'était pas très au clair, en tout cas avec la demande que nous, on faisait, à dire d'une police de contact au milieu des habitants. Et le disciplinaire nous a quand même beaucoup aidé à remettre de l'ordre là-dedans, accompagné évidemment d'un encadrement bienveillant, mais juste comme il le fallait. Bref, et pour nous, cette affaire de caméra piéton, elle venait plutôt ou elle vient plutôt en prolongement de cette volonté de notre part, parce que c'est quand même un service de police, même municipal, d'avoir une capacité à bien contrôler ce qui se passe et à faire du disciplinaire quand c'est nécessaire. Bref, c'est une remarque que je glisse comme ça. D'une façon plus fondamentale, cette police d'intervention, puisqu'aujourd'hui c'est ce qu'elle est devenue, renvoie à un certain type d'image. Et cette image joue sur le recrutement. A priori, si on est dans une idée d'une police comme gardienne de la paix, on peut ne pas avoir l'idée de s'engager dans la police d'intervention, très très équipée, j'ai pas dit suréquipée, j'ai dit très très équipée, avec toute l'image que cela renvoie. Donc des jeunes gens aujourd'hui qui sont progressistes, peuvent quand même avoir du mal à rentrer dans la police. De surcroît, le fait qu'une bonne partie de leurs interventions, je parle des voies publiques, finalement manque de sens, particulièrement dans la lutte contre le stup, on contrôle toujours les mêmes, on vide la mer avec les mains, on s'aperçoit bien que malgré toutes les interventions, avec énormément de tensions forcément, avec les gars et les filles, plutôt les gars, qui sont dans le stup, perdent et font perdre encore plus de sens à leur fonction. Et il me semble quand même que, à la fois cette image, à la fois l'absence de sens dans toute une partie de leur mission, font partie des éléments qui peuvent expliquer idéologiquement, d'une façon tendancielle, hein, vous voyez, je prends beaucoup de précautions, donc idéologiquement, d'une façon tendancielle, là où on peut retrouver effectivement les policiers et les gendarmes. Il n'y a pas d'étude de comportement électoral. Sans doute que c'est un peu tabou, il n'y a pas d'étude du comportement électoral côté police et gendarmerie. Pour autant, il y a une étude de l'IFOP qui a été menée et qui zoomait sur les bureaux de vote où il y a une caserne, de gendarmes, ce que vous voulez. Et en 2017, ça donnait quand même 53% d'un vote en faveur de Marine Le Pen. Donc, on sent bien que là, il y a quelque chose qui se joue effectivement idéologiquement chez les policiers, mais je pense qu'on est dans une logique de cercle vicieux, l'image qui induit un certain type de recrutement, des durées de formation qui évidemment sont beaucoup trop courtes et ne leur permettent pas d'anticiper et de comprendre les complexités, les phénomènes sociaux sont complexes hein, et c'est ce à quoi ils sont confrontés. L'absence de sens et qui vient aussi expliquer, je sais pas comment dire quoi, ce décalage extrêmement réactionnaire des policiers et des gendarmes. Sur les caméras piétons, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. C'est pas parce que vous avez été confronté à ça à Grenoble et que vous avez fait le choix, c'est aussi le retour que j'ai à la fois des associations antiracistes, des associations qui luttent contre les violences policières, de certains policiers. Bon, j'ai juste envie de dire, et c'était ce que j'avais dit dans le débat sur la fin de l'usage des caméras piétons à titre expérimental pour que ça puisse définitivement être possible dans toutes les polices municipales, parce que c'est un texte qui est passé en juillet 2019, je crois, un truc comme ça, de mémoire. Si c'est ça, si le but c'est de contrôler ce que fait l'agent, alors il faut faire soit, il y a deux choses à faire. Une extrême, c'est-à-dire tout est filmé en continu et enregistré en continu. Et on conserve les données, et si quelqu'un conteste, on y accède, pas l'histoire. Soit il faut faire en sorte que si quelqu'un conteste une intervention policière et que le policier n'a pas activé sa caméra piéton, alors c'est à lui de prouver qu'il est innocent, enfin d'inverser la charge de la preuve. Parce que sinon, ça reste quand même un outil activable à la disposition du policier, à son interprétation. Et donc, du coup, s'il déconne et s'il fait n'importe quoi, de toute façon, il n'activera pas la caméra. Donc, bon, c'est pour ça que je dis ça. Et c'est le point de vue du policier. La caméra ne filme pas le policier, elle filme la personne qui est en face de lui. Évidemment, puisqu'elle est mise sur le torse. C'est pas pareil dans une caméra qui est dans un habitacle d'un véhicule, puisque là il filme tout le monde dans le véhicule. Le point de vue est différent. Donc c'est à regarder parce que ce que ça produit, ce que ça permet de contrôler. Mais c'est clair que le disciplinaire, ça va être un outil. Et puis il y a des gens qu'on va virer, quoi, ou qui vont partir d'eux-mêmes parce qu'ils vont comprendre que c'est pas ça qu'on veut, c'est pas ça qu'on veut faire dans la police. Et donc effectivement. Les clips et la manière dont on vend le métier de policier sur un truc d'intervention, c'est un peu comme l'armée. Vous savez, des tas de gens rentrent dans l'armée parce qu'ils ont vu le clip de recrutement de l'armée de terre, le mec qui descend d'hélico en rappel avec son FAMAS et qui court, il se met dans la tranchée, il tire. Bref. Ah, ça existe, hein, il y en a, d'accord, mais c'est pas la plus grande, dans le genre de l'armée. La plupart du temps, vous faites des boulots derrière un bureau, et très peu de gens sur le terrain en opération extérieure. Et ceux qui sont sur le terrain en opération extérieure, c'est pas celui qui vient de débarquer et qui vient d'être recruté dans l'armée, c'est celui qui a déjà pas mal d'années de formation, etc. Bon. Et pourtant, l'essentiel des gens qu'on recrute, c'est sur cette image-là. Et je le sais d'autant plus que quand j'ai fait mon rapport sur la lutte contre la délinquance économique et financière, j'ai appris que l'Office central de lutte contre les infractions fiscales et financières, c'est ceux qui nous ont perquisitionnés, pour ceux qui s'en souviennent, voilà, qui étaient là au siège de la France insoumise notamment. Et ils étaient, alors quand ils ont été créés sous cette forme-là, enfin, organisés sous cette forme-là, c'est-à-dire en 2013, ils étaient 90 en effectif. Donc c'est le truc, c'est le nec plus ultra de ce qu'on a à Paris, quoi. Okay, pour les super délinquants financiers. Déjà, ils sont que 90. Mais bon, passons. Ils étaient, au moment où j'ai fait mon rapport, donc en septembre 2018, ils étaient descendus à 70 en effectif. Parce que forcément, il y en a qui avaient eu leur mutation, etc. mais ils sont, ils sont descendus à 70. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'ils ouvraient des postes, ils ouvraient genre 10 postes, parce qu'il manquait 10 personnes. Déjà, ils avaient pour 10 postes, ils avaient 2 ou 3 candidats. Ce qui laisse interrogatif quand même. 3 candidats pour 10 postes, il y a un petit problème. Et les 3 candidats, en l'occurrence, en général, c'était des gens, parce que ça arrangeait, parce qu'ils habitent à côté, enfin surtout des mutations géographiques, pas parce que la délinquance économique et financière, ça les intéresse. Et pourquoi? Parce que bah, les gens, en fait, imaginons, vous êtes comptable, ou vous travaillez aux finances publiques, ou voilà, les chiffres, c'est votre truc. Imaginez, vous allez en école de police. Donc déjà, vous allez passer 9 mois ou 1 an à faire plutôt des interpellations, des clés de bras, des dérapages en voiture, des machins, voir si de lacrymo ça pique ou pas. Vous n'allez pas trop faire d'humain. Alors la comptabilité, il faut même pas faut oublier. Et une fois que vous serez sorti d'école en espérant être bien classé, vous serez d'abord affecté dans un service de sécurité publique, probablement en Ile-de-France, dans un quartier chaud. Et au bout de 7 ou 8 ans, éventuellement, vous pourrez avoir votre mutation pour aller dans le service qui lutte contre la délinquance économique et financière. Faut être chaud, quoi. Enfin, franchement, faut s'accrocher, quoi. Faut vraiment avoir envie de le faire, quoi. Donc, forcément, vous avez plutôt des gens qui vont répondre aux images qui sont véhiculées par la police, et y compris dans l'équipe de recrutement. Donc, des gens qui vont être là plutôt pour la violence, la castagne, pour l'intervention, pour le côté un peu... pour l'autoritaire, en fait, le côté autoritaire. Et pas pour l'aide à la personne, pas pour protéger et secourir. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un malaise chez les policiers qui est énorme. Parce que le mec, on lui vend, tu vas arrêter les méchants, il est en police secours, et les 3 quarts du temps, il intervient sur monsieur qui tape sur madame à la maison sur fond d'alcool, l'autre moitié du temps, il va intervenir parce qu'il y a un SDF qui est trop saoul et qui est devant l'entrée de quelqu'un qui ne peut pas rentrer chez lui et qu'il faut aller le transporter pour mettre un cellule de dégrisement. Bon. Ouais, c'est pas ouf, quoi, vis-à-vis de l'image de départ. Après, bah, je pense que ça, faut que quelqu'un le fasse et c'est utile que ce soit fait. Et en plus, ce serait bien que ce soit mieux fait et bien fait, et par des gens qui s'appelaient de le faire. Mais c'est clair qu'il y a un énorme hiatus, donc il va falloir faire ça. Et je pense que dans un premier temps, si en plus on incorpore la police municipale à la police nationale, ce ne sera pas de trop en termes de renfort, parce que je pense qu'il risque d'y avoir une chute des effectifs, alors pas drastique, etc., mais il y a des gens qui vont s'en aller parce qu'ils vont dire « c'est plus pour moi ». Et puis il y a des gens qu'on va mettre dehors, parce qu'on va leur dire « c'est pas pour vous ». Et le temps de recruter des gens et de les former plus longtemps, bah, il va falloir gérer, quoi, entre deux. Il y a des forts enjeux sur tout ça. Et même sur le circuit pour lesquels on affecte les gens, vous êtes issu de la classe moyenne, pas forcément très favorisée, mais de la classe moyenne, en général de communes périphériques, pas de gros centres-villes, mais de communes de taille moyenne en région. Vous passez le concours, c'est ça le profil de celui qui passe le concours de l'école de police. Vous vous retrouvez en Seine-Saint-Denis, la banlieue, machin, ça n'a jamais été votre quotidien, c'est pas votre truc. Vous vous retrouvez dans un environnement où les relations police-population sont hyper dégradées. Vous faites des patrouilles, vous prenez des machines à laver usagées sur le pare-choc. En plus, vous intervenez dans des endroits où les concentrations de population font que concrètement, toutes les populations immigrées, donc tous ceux qui sont arabes, noirs, asiatiques, tout ce que vous voulez, sont concentrés au même endroit. Donc vous avez des policiers qui à la fin se disent c'est toujours les mêmes délinquants, c'est toujours les mêmes qui nous mettent sur la tronche, c'est toujours les mêmes qui nous balancent des machines à laver, donc je vais pas dire qu'ils deviennent racistes, mais un peu quand même. En tout cas, rien ne les aide dans le processus dans lequel ils sont insérés pour se détacher de ça et avoir un regard critique, quoi. Alors que s'ils allaient dans les beaux quartiers, s'ils allaient faire un peu de comptabilité, ils trouveraient aussi des infractions, promis juré, des infractions, il y en a partout. La sociologie nous apprend quand même que la déviance est également répartie dans la population, mais qu'en fonction des types de population et des géographies, c'est pas le même type de déviance qui va se manifester, et du coup c'est pas le même type de déviance qu'on va poursuivre. Donc encore une fois, voilà, c'est pas qu'il y a moins de délits dans les beaux quartiers, c'est que c'est pas les mêmes et qu'ils sont pas poursuivis. Donc forcément, vous avez un imaginaire qui se construit, y compris le policier quand il revient en région, même s'il est plus confronté à, on va dire, à une ségrégation spatiale particulière, il va garder quand même ces mécanismes, quoi. En gros, c'est la phrase à la Zemmour, non mais regardez, dans les prisons, il n'y a que des Noirs et des Arabes, c'est normal, c'est parce que c'est eux les délinquants, il n'y a que les Noirs et les Arabes qui sont délinquants. Voilà. Il a quand même sorti cette phrase, mais elle a sa logique propre. Elle a sa logique territoriale, spatiale, politique, propre. Et valider, le policier valide ça. Pour lui, c'est cohérent dans son schéma de pensée et dans le quotidien qu'il vit. Donc, il y a fort à faire pour inverser la tendance. Ça, c'est clair. Mais ça passera par la formation initiale, par la formation continue, par dire ce qu'on veut. Dire ce qu'on veut. Déjà, si on dit ce qu'on veut aux policiers, déjà, ça va changer beaucoup pour eux parce qu'ils diront « Ah, enfin, quelqu'un qui sait ce qu'il veut dans ce pays. » Et puis après, bah, voilà, quand ils déconneront, bah, on sanctionnera, c'est tout. De toute façon... Le problème aujourd'hui, c'est que beaucoup de révocations de policiers le sont pour des trucs à la con, extérieurs au service, qui n'ont pas. Vous allez plus facilement être révoqué si vous êtes un policier, si vous fumez un joint et que vous vous faites choper en train de fumer un joint, que si vous tabassez un type au sol en manifestation. C'est ça la réalité, quoi. Merci. Il reste en gros 2-3 questions, pas plus, parce qu'au vu du temps qui nous reste, je pense que ça suffira. Il y avait du coup Hugo qui avait levé la main, il me semble, je ne la vois plus, mais est-ce que Hugo souhaite encore prendre la parole? Ouais. Bah, du coup, merci beaucoup pour tout cet exposé, notamment d'avoir parlé autre chose que la loi 24 dont on parle beaucoup, mais d'être revenu sur ces éléments-là. Moi, j'avais vraiment deux rapides questions sur les éléments de désescalade. Le premier, c'était sur l'aspect du service citoyen qui était beaucoup mis en avant comme aspect de désescalade. Il y avait l'idée du coup de créer du même entre le peuple et les policiers, de se dire que bah, par exemple en manifestation, si on sait que c'est des gens qui sont là que 3 ans en face de nous, bah, ça risque de calmer un peu le jeu des deux côtés. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un peu une contradiction sur ce point-là? Si jamais, on sait que les violences policières sont beaucoup faites par des policiers qui sont peu formés au maintien de l'ordre et qui sont balancés là en manifestation et qui du coup s'énervent plus facilement. Est-ce qu'il n'y a pas un risque si jamais on met des jeunes en service citoyen sur ces théâtres-là? Et rapidement, la deuxième question, c'était beaucoup de sociologues ont pointé le fait que la police prenait de plus en plus de place dans les relations dans la société, dans la gestion des conflits, et qu'au final, la police était limite omniprésente pour régler les conflits dans la société. Qu'est-ce que la France insoumise porte sur ces éléments-là pour réduire un petit peu le rôle de la police dans la gestion des conflits dans son ensemble? Ok, alors je vais finir de noter pour ne pas oublier. Oui, sur le service citoyen, moi je pense que c'est bien. Alors après, est-ce que on maintient de l'ordre parce que c'est chaud? Est-ce qu'il faut... Moi je pense que le service citoyen, il peut le jeune qui est là, s'il n'est pas formé pour être pour faire du maintien... Attendez, je reviens au début. Notre service citoyen, c'est quand même 1 an. Je tiens à le préciser quand même. Aujourd'hui, la formation d'un adjoint de sécurité qui peut potentiellement être affecté en CRS, alors il aura la petite formation complémentaire, mais c'est 4 mois. Hein. Et le policier national aujourd'hui qui sort chez les CRS, c'est 9 mois de formation. Bon, après, il a des modules complémentaires, des machins, des trucs, mais pas non plus idéalisé sur ce que c'est aujourd'hui la formation initiale, y compris chez les CRS. C'est juste qu'ils ont l'habitude de faire ça, ils font que ça. Donc du coup, ils sont mieux équipés, mieux outillés. Quoique, quand vous avez une mauvaise doctrine, vous avez beau faire en sorte que ce soit que votre métier, bah certes, ils tirent moins au LBD, ils tirent moins dans les yeux, mais ils tirent quand même au LBD et quand même dans les yeux. Hein. Donc, voilà, c'est quand même pas la joie. Et surtout, ne pas oublier que les CRS, les manifestations, c'est pas, c'est une partie de leur mission, mais c'est pas la seule mission qu'ils ont, quoi. Ils font aussi de la sécurisation périmétrique, ils sont là sur le Tour de France avec les gendarmes, ils sont là pour des manifestations de divertissement, ils font plein de trucs, quoi. Bon, avant, ils étaient sur les plages, maintenant, c'est fini, mais on les fera revenir sur les plages, ne vous inquiétez pas. Mais donc, là, après, c'est à voir concrètement, quand on mettra en œuvre le service citoyen, comment on fait en sorte qu'on ne mette pas en danger les jeunes gens, effectivement, qui viennent là, quoi. Mais à la fin, quand vous faites aujourd'hui réserviste de la gendarmerie, je crois que c'est 1 mois de formation que vous avez. Si je dis pas de conneries, peut-être 2, mais je crois que c'est 1 mois. Et après, vous faites les patrouilles avec un équipage de police, de gendarmerie classique. et vous faites la même patrouille que les autres, et donc vous pouvez tomber sur ce qui passe, quoi. Hein. Ça peut être un braquage, c'est rare quand même, mais et une personne, une dame âgée qui est tombée par terre et qu'il faut relever. Enfin, c'est déjà le cas actuellement, donc c'est juste que vous êtes entouré avec des gens qui, eux, sont plus formés, plus gradés, qui normalement ont le discernement pour faire la part des choses. Donc, il y avait une question sur la mobilité. C'est pas que j'ai pas compris, c'est que la mobilité, elle est à prendre sous différents axes. Parce que autant pour le policier de proximité, je ne suis pas pour qu'il soit mobile, je suis pour qu'il soit attaché à un territoire, qu'il connaisse bien les gens, que les gens le connaissent bien. Mais pour ce qui est du maintien de l'ordre, qui n'est pas exactement la même chose, c'est de la conflictualité, je suis pour qu'il bouge. Néanmoins, le policier de proximité, dans mon esprit, doit avoir une date de péremption, à partir de laquelle il faut qu'il sache qu'il change de territoire. Il faut qu'il reste suffisamment longtemps pour connaître les gens, mais pas trop pour pas trop connaître les gens. Hein, vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Que ce soit pas le passe-droit et qu'il ait ses têtes de turc et je sais pas quoi. Et bon. Après, du coup, je vais relier ça tout de suite avec la question de réduire le rôle de la police dans le contrôle social. Je ne suis pas pour réduire le rôle de la police là-dessus, parce que je pense que socialement, elle ne contrôle rien aujourd'hui. Je suis désolé, elle ne contrôle pas. Elle frappe, elle intervient, elle est éventuellement visible, mais qu'est-ce qu'elle contrôle ? Que dalle. Effectivement, il y a un sociologue qui m'a déjà dit ça, la police de proximité, c'est en fait un plus grand contrôle social, contrôle de la police sur le corps social. Mais c'est aussi autre chose. Et c'est là où ça doit nous rassurer en tant que personne de gauche, c'est que c'est aussi un plus grand contrôle social de la population sur la police. Et que c'est ça qui est l'équilibre. C'est-à-dire que les choses se regardent dans les deux sens. Quand vous dites le policier connaît les gens, ça c'est dans un sens, et dans l'autre sens, c'est les gens connaissent le policier. Et donc ça implique plein de choses. C'est-à-dire qu'effectivement, le policier, quand il retourne sur le terrain le lendemain, les gens voient le même policier. Donc s'il a déconné, ça va poser problème. Et si quelqu'un a déconné, eh ben, il reverra aussi le même policier. Bon, ça, par contre, ça renforce effectivement la capacité, enfin, faut renforcer la capacité de discernement du policier. Parce qu'à un moment donné, quand vous êtes comme ça, si vous, je ne sais plus qui m'a dit, un jour j'avais discuté avec des avocats, je crois que c'était des avocats qui me disaient, oui, les policiers, ils sont là pour poursuivre les délits, ils sont dans le code pénal, c'est bon, quoi, on avance. Quoi. Je dis, ah, mais bon, quand même, si on poursuivait tous les délits tout le temps, ce ne serait pas une société démocratique et vivable, en fait. Parce que quand vous regardez dans l'année, ça va vite. Hein, une infraction, ça va vite. Un délit, c'est un peu plus compliqué, mais en tout cas, une infraction, ça va vite. Vous traversez en dehors du passage piéton, je vous rappelle, c'est une infraction. Est-ce qu'on arrête tous les gens qui traversent en dehors des passages piétons ? Non, et heureusement. Parce que sinon, on n'a pas fini, et c'est disproportionné, ça n'a pas de sens. Et voilà. Donc, il y a besoin de discernement. Il y a besoin de contrôler ce discernement. Et donc, c'est pour ça que c'est très important, ces histoires d'îlotage, de police de proximité, parce que c'est le meilleur contrôle réciproque de la police sur la population et de la population sur la police. Il y a un équilibre démocratique plus que utile et nécessaire. Et à la fin, si vous avez en plus une autorité judiciaire qui devient, de mon sens, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le débat de fond, mais en tout cas, qui devient au moins impartiale et indépendante de l'exécutif tout au moins, vous avez ce contrôle-là aussi contre les dérives qu'il pourrait y avoir. Et pour rejoindre le principe de sûreté. Si en plus vous avez réformé l'organe de déontologie, qui est saisissable, qui répond rapidement et qui fait des enquêtes rapides, que ce soit à charge ou à décharge du policier, vous avez l'architecture qui est pour pacifier les relations police-population. Et je pense que c'est possible de le faire, parce que des tas d'autres pays l'ont fait et ça fonctionne plutôt bien. Donc, je pense qu'on est bon. Mais du coup, l'objectif, c'est pas de réduire le rôle de contrôle social de la police. Ça dépend ce qu'on entend par contrôle aussi, mais voilà, après... et je pense même qu'au fond, du coup, en se réorganisant bien, il n'est pas impossible qu'on ait besoin de moins de policiers dans ce pays. Ce qui permettra peut-être de résoudre notre équation de « il y a des gens qui vont quitter la police et on aura moins de monde et je ne sais pas comment on va faire ». Bah oui, mais quand vous savez que l'essentiel de l'activité de police, c'est choper les mecs qui fument du shit, bon, ça devrait aller vite. Merci beaucoup, Hugo. Du coup, je propose qu'on s'arrête là, mais bien sûr, si tu as quelque chose à nous dire, un dernier mot peut-être, un peu d'espoir, on va dire, sur 2022, puisque on sera au pouvoir et Je l'espère en tout cas. Et du coup, si tu as quelque chose à nous rajouter là-dessus, n'hésite pas. Donc, est-ce que tu souhaites prendre la parole à ce moment-là ? Bah ouais, juste pour vous dire que là, sur la période sécurité globale, la loi, les interventions dans l'hémicycle, etc., j'ai eu 2 policiers qui m'ont contacté spontanément pour filer un coup de main pour la France insoumise. Je veux juste vous le dire parce que ça n'est pas arrivé souvent dans la mandature et que ça arrive à ce moment-là, sur ce débat-là, pour ces raisons-là, voilà, c'est un vrai espoir, voilà, de se dire que quand on dit… Parce que des fois, il y a des copains qui disent « de toute façon, ils sont tous racistes, machin, c'est foutu, à tous faire les virer, en embaucher d'autres, vous déconnez quand même, tu vois, mais bon, tu sais jamais, quoi. » Et quand tu vois 53% de vote Front National sur les bureaux de vote et tout, tu te dis « bon, oui, mais bon. » Puis après, nous, on se dit peut-être pour se rassurer, oui, il y a des policiers républicains dans ce pays, mais si tu les vois pas, tu vois, si tu les rencontres pas, à un moment donné, c'est un peu flippant, quoi. Eh bien si, ils existent, voilà. Ils existent et certains travaillent avec nous, donc ça c'est pour le côté positif. Et puis pour terminer sur un petit truc, parce qu'il y a eu un débat dans l'hémicycle sur le fait qu'on n'aimait pas la police, on est anti-flic, puis après ils ont raté de dire anti-flic, ils ont dit ouais de toute façon vous aimez pas la police. Mais moi je suis pas là pour aimer la police en fait, on m'en fiche, c'est pas le sujet, je suis pas... Ça n'a pas de sens. En fait. Je suis là pour que la police me respecte, pour respecter la police, qu'elle fasse son travail. Fin de l'histoire. La seule personne que j'aime pas, je sais, c'est Darmanin. Ça c'est sûr, je l'aime pas, pas de problème. Mais la police, ce n'est pas une histoire d'amour ou de désamour. C'est une histoire de respecter la déontologie, que chacun puisse faire son travail et avoir ses prérogatives et ses missions. Voilà, et peut-être... il y a tout ça à relier évidemment avec la police judiciaire. Quand on pourra dissoudre les BAC et renforcer massivement la police judiciaire, peut-être que ça prendra un petit peu plus de temps et ça sera un petit peu moins visible pour démanteler le trafic. Mais quand il sera démantelé de la tête aux pieds, quoi. Voilà. C'est pas exact. Et ça, c'est aussi la question de la temporalité entre du flagrant délit et des enquêtes au long cours. Et donc, le règne de l'immédiateté aussi dans la police, du politique du chiffre, ça sera terminé parce que ça sert à rien. Alors, ça harcèle le trafic de stupes, ça augmente les tensions dans le quartier parce que, voilà, on dirait 2 bandes qui s'affrontent, mais ça ne résout pas le problème de fond. Ce qui résout le problème de fond, c'est de la police judiciaire. Et la police judiciaire est en souffrance. Donc ça, on mettra le paquet sur la police judiciaire, je vous le dis. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup trop de choses. Je sais pas comment on va faire le jour où on va remettre à jour le livret sécurité et faire une proposition de loi cadre. Il va falloir faire une émission spéciale comme sur les financements de 8 heures non-stop pour expliquer notre loi sur la sécurité. Ça va être infernal. On fera ça sur Twitch. Oh, excellente idée pour le coup, ça peut être sympa. Merci beaucoup à toi Hugo, merci aussi à toutes celles et ceux qui étaient présents en visioconférence et sur Facebook. Merci à Elisa aussi. De bien avoir voulu introduire cette visioconférence. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et tous et voilà.